Salut YouTube, on est toujours en live caritatif pour la Palestine avec Médecins du Monde, mais également Terada qui nous rejoint dans pas très longtemps puisque nous allons découvrir Star Citizen enfin. Enfin. Je lance le jeu. Je lance le jeu. Putain, nous y est. Nous y est là. Je lance le jeu et je vais me chercher de l'eau parce que sinon je vais mourir. Alors c'est un jeu qui évidemment est en early access, mais genre early access alpha, donc y a le time quoi, il y a le time, il y aura des bugs, il y aura des problèmes, il y aura plein de queutrus, c'est d'ailleurs écrit là early access alpha, il est en développement depuis 2012, la version solo de Star Citizen intitulée Squadron 42 devrait sortir dans moins d'un an et demi, 2 ans, et le financement de Star Citizen c'est toujours moins que les 800 millions de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, bien vu le chat. Sauf qu'au moins là, on s'amuse. Et ça fait plaisir. Je y ai! Je y somme! Ok. Allez, bon, bonjour. Options. Moi, je vais dans les options, là, direct. Déjà, la souris, ça se passe. Graphics. Est-ce qu'on peut être ambitieux ou c'est chaud? Est-ce qu'il faut se mettre en Vulkan? Il y a des gens qui connaissent l'optimisation Star Citizen là? Upscaling, est-ce que je mets le DLSS? Non, pas Vulkan, ok. Est-ce que je me mets en Very High partout? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit le plus fluide possible? Parce qu'anyway, le jeu est trop beau. Alors que Notre-Dame, il n'y a aucun gros vaisseau spatiaux, on est bien d'accord. Les options changent pas beaucoup les perfs, donc je devrais laisser comme ça? Je devrais laisser tel quel? Moi je veux vraiment... Ah, motion blur, off. C'est sûr. V-Sync, oui. Film grain, non merci. Je ne comprends pas pourquoi ces monstruosités sont toujours présentes à chaque fois. Je mets en 90... ok, contrôle, d'accord. Est-ce que je dois rebinder mon queutru? On va se mettre, on va juste, voilà, je me suis mis en QWERTY, ça ira plus vite. Touche pas à ça. Ah. Salut Terada. Mais attends, je peux pas genre faire des queutru vite fait là, pour que le jeu soit beau et tout là. J'ai une belle config. J'ai une belle config. Ça immonde le grain et toi, c'est dégueulasse. Le jeu est beau de base. Ah donc, oui, non mais d'accord, mais moi je veux le maximum de FPS. J'aimerais bien atteindre 120 FPS, Terada. Qu'en penses-tu? Constant. Fais-toi plaisir à créer ton perso. Je crois qu'en plus avec la 3.23 maintenant, la création de perso elle est dantesque. Je vais dans le persistant... Oh, sinon on va dans l'arena commander pour apprendre à jouer. Non, je vais dans le persistant universe. OMG. OMG. C'est la nouvelle créa de perso là, ça y est là. Salut frérot. Putain, et c'est beau, et c'est beau, hein. C'est beau là. Ok, alors... Ok, je suis déjà perdu. Wow. On veut Slibarman du Turfu. Oh, c'est beau. Putain, les petits walp et tout, frérot. Comment j'enlève les points, les puntos? Tac. Absolument pas. Alors, oh voilà. Moi, je l'aime bien comme ça. C'est un truc aléatoire, ça. Plus faire les yeux violets en Vichyalax. Ah ouais, il semblerait. Body type. Ah non, body type, j'ai fait quoi? Body type? Body type? Ok, le jeu est woke, j'achète. Ok, les cheveux. Mais bien sûr, évidemment. Voilà, oh oui. Oh, la nuque longue, oh oui. Non, mais le jeu, il est beau, là. Ah oui, je crois... Voilà, ils ont une nouvelle technologie pour les vœux. Regardez comme ça bouge naturellement.
Avec le début de calvitie, bien sûr. Non mais t'es mal à physique des veuches. Non mais le lissage, c'est PNL ou quoi? Alors attends. Vas-y, tu sais quoi? Je pars comme as. La beubare. Moi la beubare elle me plaît là. Oh oh. Ouais non non. T'es bien comme ça. Et la couleur? High bows. Pourquoi ils sont violets mes veuches de sourcils là? Ah voilà les couleurs là. Natural color. Ah ouais. Il y a une variation hein. Tie and dye. Je veux pas me tie and dye. Ah quoique. Est-ce qu'on se tie and dye pas un peu là hein? Envie de me tie and dye la gueule. Non vas-y pas de tie and dye. Ok. Est-ce que je peux changer la couleur de ma beubare aussi? J'imagine. Non on dirait pas. Si on doit pouvoir. Styling. Moi je le kiffe mon perso il est beau là. En plus théoriquement c'est aléatoire là. La moustache please. Qu'est-ce qu'il y a la moustache? Vous voulez que je mette la moustache? Review dans les couleurs. Il n'y a pas hein, pour la moustache, pas pour la beubare. Oh, oui, nice. Oh. Putain, mais attends, je le fais blanc et c'est Hugo Lisoire. Mais attends, mais oui, attendez, je vais le mettre blanc. Hop là, je joue Hugo Lisoire en fait. Attends. C'est un hommage. Je fais un hommage, attendez. Whitewashing. Ouais mais c'est pour faire Hugo Lisoire. Attends. Oh c'est 100% lui. C'est 100% Hugo Lisoire. C'est une photo. C'est une photo, c'est trop grave. Il est encore plus blanc que ça. Ça me termine. Ok, je peux donner un nom à mon perso ou pas? Je sauvegarde. Profile name. Hugo Lisoire. J'accepte. Un tuto? Moi faire un tuto? Hop là! Allez hop! Stanton. New Babage. Server location. EU. Play game. Confirme. Allez hop là. Mode faire un tuto. T'en foutrais des tutos. J'arrive dans mon vaisseau, tac tac, j'appuie sur K pour replier les avant-voiles, j'appuie sur L pour décoller, mage enfoncé, hop, pour décoller vertical, je replie le PVC aux portes avec la touche O et c'est bon quoi, on est déjà parti en fait. On est déjà dans l'espace, en 2-2. Ton vaisseau, j'ai un vaisseau du coup, j'ai acheté le jeu pour 43€ et j'ai un vaisseau direct et je pars avec 1000 balles. Je l'ai tout déjà. Ça fait 12 ans que je suis le développement du jeu et que je bouffe des vidéos de Star Citizen tous les jours. Évidemment que je connais par cœur. C'est quoi le vaisseau? Je sais pas. Par contre, je retiens pas les noms des vaisseaux. À chaque fois, je suis en mode ah ouais, là, ça, il a l'air bien lui et puis je connais pas. Hop là. C'est WAM. Hop là. Offline for maintenance. Contract available, overdrive initiative. Red. Bah oui. Hop. Accepté. In the wake of disaster. Oui.
Accepter. Hop là. Hop, attendez, je me mets un petit fixe là avant de partir en aventure. Je chie là. Allez, on se lave un coup là. Hop là. Bah le jeu est beau, ouais. Le jeu est beau. Bon là, ça, j'imagine ça charge et encore ça. Y a pas un espèce de, on appelle ça, de flou cinétique là. Je veux pas tout le cinétique, moi. Cinétique flou. Il est où le cinétique flou? J'ai l'impression qu'il y en a un. Bah c'est le motion blur normalement, le flou cinétique. Non, il y a pas. Ok. Maintenant, il n'y a plus besoin de... Oh. Oh là là. Non mais... Et alors, la particularité... La particularité, c'est que là, je vais où je veux, quoi. Si je veux aller là-bas à pied, je peux. Bon, je vais chercher mon vaisseau. C'est... Ah, c'est quelque chose. C'est un voyage, hein. Comme dans Starfield. Gne, gne, gne. Ouais, mais Starfield, il a pas mis 12 ans à être développé, donc ça va, tu vois. Arrêtez, comparez ce qui est comparable. Et puis, c'est pas le même budget. Et moi, j'aime les deux. Là, c'est chez les gens. On peut aimer les deux, je pense. Comment ça, avant que je fasse des bêtises, j'arrive. J'appelle, hein. J'appelle Terada. Bonjour. Bonjour. Salut. Bien, bienvenue sur SR. Mais moi je suis comme un poisson dans l'eau là. Ça, tu kiffes ton spawn, hein. Bah ouais, de ouf. Après bon, pour rentrer dans le jeu, j'ai fait vas-y, oula, il faut que je rejoigne vite avant qu'il y ait une catastrophe. Après bon, je connais tout déjà. Tu connais tout? Bah ouais. Comment ça? Moi je regarde 3 ou 4 vidéos de Star Citizen par semaine, hein. À ce point là, oh, tu mytho un peu là, non? Ah non, je mytho zéro, mec, je regarde toutes tes vidéos, ouais, je regarde toutes les vidéos du go loisir sur sa chaîne là. Ok, ouais. Je regarde tout, moi. Ah, donc tu connais un peu, d'accord. Tu m'avais dit... Oui, tu m'avais dit que t'avais pas le jeu encore. Tu l'as acheté aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je l'ai acheté aujourd'hui. Bah, en fait, genre, je suis le dev depuis 2012-2013. Ok, ah ouais, c'est marrant, ok. Ouais. J'ai tout suivi, toutes les étapes. Genre, au début, il y avait que le hangar et machin, etc. etc. Oh. Et je m'étais... Là, je me disais vraiment, Hugo Lisoire. Non, mais Hugo Loisir, c'est sa chaîne Star Citizen. Me corrigez pas. Il a raison. Et en fait, le truc, c'est que là, je me disais, en vrai, la 4.0, c'est vraiment le moment pour commencer, je pense. Ouais, voilà. Ouais. Après, comme je te disais sur Discord hier, c'est 4.0, comme tous les gros patchs, il va être cassé au début, donc je suis pas convaincu. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre ce moment-là pour tester, ils vont arriver sur un patch en chantier et ils vont être déçus, quoi, parce que bah forcément, ça va être le zbeul, quoi. Question, si je vois des vaisseaux ou quoi, c'est forcément des joueurs, non? Là où tu es, oui. Ok. Je suis en train d'allumer le jeu pour te rejoindre. Ok. Du coup. Bah moi je vais me balader là. Tu vas te balader? Ouais, bah c'est bien, de toute façon. De toute façon, aujourd'hui je pensais te faire une petite initiation en duo. Ah ouais. Une petite balade tranquille. Attends. C'est quoi ton type de gameplay habituel que t'aimes bien? J'ai pas ouvert ma Moby Glace. Moi je commande des hotas là, je les attends là. Ah ouais, d'accord, t'es chaud, ok. À ce point là. Non. Enfin j'aimerais bien, tu vas avoir des hotas, mais Ton handle en jeu c'est le même que... Ah c'est... Oui c'est bon. Et qu'est-ce que t'entends par mon gameplay habituellement, non. Genre Bah ton gameplay, t'aimes bien plutôt PvE, PvP, ah, MMO... Ah, j'avoue j'aime bien PvE. PvE, ok. Je t'envoie une invite si jamais. Ok. Normalement, si c'est ton pseudo. Je vois ça comment... C'est bien Kofefe, ton pseudo in-game, c'est le même? Ouais, normal. Ah non, je me suis appelé Hugo Lisoire, tu vas comprendre pourquoi. Pardon. T'inquiète. Attends. Ouais. J'ai besoin d'explications, là. F11. Non, t'inquiète. Tu comprendras quand tu me verras. Ah non, attends. Non. Alors, c'est mon personnage qui s'appelle Hugo Lisoire, mais tu peux me trouver sous le coffre FF. Ah, ok. Annulé. Ah oui, c'est le nom de mon perso, en fait, Hugo Lisoire. My bad. Du bas le coffre FF attaché. Ok, c'est bon. Tout attaché, je t'ai trouvé. Ok, normalement, t'as une notif. C'est la touche à droite du P pour... Pending. Hop là. Accepter. J'ai mon premier ami sur Star Citizen. Félicitations. Incroyable. Bon, écoute, plaisir. Voilà, les gens, ils ont l'air remontés dans le global chat là, je vais muter ça moi. Ça c'est fluide les menus et tout, c'est la nouvelle Moby Glace, c'est ça?
Wow. Oui, effectivement. Oh. Et il y a les nouvelles maps aussi. En fait, il y a tout qui a été refait 3.23. Alors c'est pas totalement, c'est pas encore parfait. Il y a pas mal de problèmes encore. Mais ils ont tout refait en 3.23, le dernier patch là. C'est beaucoup plus clean qu'avant quand même. Déjà. Mais là t'arrives en ce moment, je te dis, c'est le chantier. Il y a plein de trucs là. Ouais, j'ai vu. En plus, il y a le, bon, le persistent entity streaming qui est arrivé. Il y a le meshing qui arrive. Incroyable. Oui. Oui. Et puis surtout, il y a le, dans 3.23.2, il y a le rework du cargo et des ascenseurs de fret et tout ça qui arrive. Donc c'est de gros piliers aussi. J'arrive pas. Je peux pas faire moins pour voir mon perso. Comment je fais pour voir mon perso? F4. Normalement. Oh. Ah, faut que j'enlève mon casque. Je vais être déçu sinon. Ok, me voilà. Me voilà. Du coup, tu vas pop au même étage que moi ou pas du tout? Alors, normalement, je vais pop. Ah, j'étais pas tout à fait au même étage, mais dans la même ville. Je me suis basé avant. Quand j'ai oublié de t'inviter un ami, attends, je fais ça. En groupe, d'ailleurs. Bon, bah, désolé, j'étais un petit peu embrigadé hein, sur SC. Ah, mec, y'a aucun problème. Y'a des joueurs SC par là, faire un truc ensemble. Ah, moi, je suis hyper chaud, mec, hein. Je pense que c'est beaucoup mieux de découvrir comme ça que de découvrir. C'est toi? Ouais, c'est le mieux. Je t'ai invité une invite, c'est de groupe, pardon. Je pense que c'est toi qui es devant moi. Est-ce que je ressemble à Hugo Lisoire? Tu ressens. Alors, niveau moustache, oui, pour le reste, je suis bah voilà. pas sûr. Si bah, c'est toi. Tout ce que j'ai pu faire. tu peux accepter la demande de groupe? Ouais, alors attends, je retourne dans ma tête. Comment j'ouvre la mobiglas déjà? C'est F1? Alors, c'est F1. Ok. Bon, ça va, tu connais un peu déjà, donc ça va, t'as les bases un peu. Et l'invite de groupe, je l'ai dans comms? Dans comms, pending normalement. Ouais, je l'ai, c'est bon. Ouais. Ok, incroyable. Nickel, super. Je dois remettre mon casque, sinon je vais décéder, non? Tu peux, mais t'as le temps, je vais te faire découvrir un peu la ville déjà, puisque t'es là, autant Allez, profiter. Je suis hyper chaud. Si jamais c'est Alt-H la touche pour enlever ou remettre son casque de façon. Oh, stylé. De façon. Ok. Voilà. Comment je sais si je l'ai ou je l'ai pas? Ça change ton interface normalement. Après, je vois que j'ai un petit. Attends, j'ai un petit souci. Tout va bien. Alt-H. Pas de panique. Ok, là je l'ai pas. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, là je l'ai pas. On dirait que j'ai des lentilles et quand je le remets, c'est un peu plus carré. Ok. J'ai un truc bizarre dans le dos, j'essaie de me l'enlever. Ouais, le voilà, fait que ma tête ouais, elle tourne sur ma souris comme ça là. C'est bizarre, mais j'arrive pas à me l'enlever. Et mon perso. Ouais, bon, ouais. Non, ok. Attends, ouais, normalement. Les lèvres de mon perso bougent. Alors, de ton perso? Ouais. Alors, je sais pas, t'as pas une webcam. Ça dépend, normalement pas de base, je crois pas que t'as activé. Non, j'ai pas activé le face tracking. Alors, non. En plus, ma webcam elle est branchée sur mon PC de stream. Donc... Alors, ce qui est marrant, c'est que mon perso veut pas enlever son casque. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais ouais, du coup, normalement. Ouais, t'as activé Vulcan ou pas finalement? Bah non. Non, t'as bien fait, ouais. Fallait pas, ok. Yes. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai crié parce que j'étais vu activer Vulcan, je fais NON. Ah oui, d'accord, ok, c'était Vulcan pour ça que tu disais non, ok. Bah, c'est en bêta, donc Vulcan en lui-même est pas encore intégré à 100%, donc il y a encore. Or, c'est mieux souvent, mais souvent t'as des fuites mémoire encore, donc tu perds des frames. Allez hop. Après, ça simule peut-être le mouvement de mes lèvres quand je parle dans le micro, non? Y'a pas un délire comme ça? Non, pas encore, malheureusement, ça c'est. Mais toi, t'as pas le truc branché sur ton casque là qui ouais. Traque tes yeux là? Ah, viens, on sort, attends. Oui. Enfin, pas mes yeux, ma tête. Ok, tu vois ma tête bouger en jeu là? Ouais. C'est pas ma souris, c'est ma tête qui bouge. Ah ouais, moi je peux le faire avec la souris, comme ça. Oh, oui, effectivement, ouais, bon, ça va, c'est plus classique, on va dire. Mais c'est moins bien, quoi. Bah, une fois que t'es habitué à le faire avec la tête. Hein. Ok. La course auto, c'est quel truc? C'est. Alors, déjà, avec la molette pour régler ta vitesse. Attends, c'est Alt molette ou c'est molette? Ils ont changé dernièrement. C'est molette. Molette, oh, c'est molette. Trop bien! Je peux adapter ma voilà. Vitesse? Oh, mais. Voilà. Oui, y'a pas ça dans tous les jeux. Ça y découvre. Et. Bon, Shift pour courir comme d'hab. Mais. Ok, donc là, je peux courir au max et ensuite sprinter encore plus? Avec Shift? Non, ok. Ah, si. Oh, nice. Alors, on me dit, élève qui bouge, faut l'activer. Ah ouais? Ouais, quand tu parles en VOIP? Je crois pas ça, parler en VOIP parce que dans comms j'ai mon truc qui non, est non, décoché. Non, je t'entendrai.
Ah si, j'étais connecté au audio channel. My bad. Ah, tu m'entendais pas, je crois. Bon, de toute façon, la VoIP, malheureusement, elle est pas stable, donc... Oui, non, mais autant rester sur Discord. Ouais, ouais. Vas-y, je vais te faire faire les courses déjà, un petit peu. Bah vas-y, grave. Thune, j'imagine, je vais... J'ai 1000 balles. T'as 1000 balles? Non, 25 000, je suis riche. Ah, 25 000, ok. On va aller te faire farmer un peu, je vais t'expliquer un peu les bases, et puis... Et puis après, on va aller jouer un petit peu. Tu me disais que t'avais préparé un petit bateau, là. Un petit bateau, un petit vaisseau, un petit sympa. Yes. Ouais, j'ai... Moi, j'ai pris un petit vaisseau. Attends, je réfléchis, est-ce qu'il y a besoin. On va aller se baser à la station spatiale au-dessus. On va aller au Spaceport directement. Vas-y. Oh, ouais, j'ai préparé un petit vaisseau que j'aime bien pour les initiations à deux, c'est pas mal. Est-ce que le jeu a déjà été plus stable que ça? Bah oui, ouais. Là, en ce moment, en fait ça dépend parce que tu sais, Star Citizen est en développement, ils intègrent non-stop des nouvelles techno, des nouvelles features, etc. Et du coup, bah c'est en yo-yo quoi, la stabilité. Et plus il y a de plus le développement avance, moins c'est stable forcément. Parce que qui dit nouvelles features, il y a plus de bugs. Et là, la 3.23 qui vient de sortir était énorme. Et bah il y a encore des petits soucis. Après, ils sont pas mal clean, mais là en ce moment, les serveurs sont un peu à genoux. On attend le patch, il devait arriver il y a 3 jours, il est en retard. On attend le patch pour clean. Oh, c'est stylé là. Les vitres, elles sont pour le soleil là, comment on dit? Teintées. Elles sont teintées pour le soleil. Oui. T'as surtout la vue panoramique sur la ville. Incroyable. Et les nuages. T'as bien mis tes nuages volumétriques? Je sais pas. Hein. Je suis parti comme normalement, ça. Normalement, de base, tout est activé en height normalement. On me disait que le seul truc graphique qui changeait, c'était les nuages. Ouais, c'était les nuages. Ouais. Ouais. Après, t'as une bonne machine, donc tu peux mettre en height normalement. Ouais. Et donc là, théoriquement, genre, si je voulais, je pourrais juste sortir du truc et. Enfin, pas là, je peux sortir, mais j'aurais pu faire tout ça à pied, quoi. Ouais, complètement. J'aurais pu venir chercher même en vaisseau, au common, etc. Complètement, ouais. Bon, d'ailleurs, si tu veux, après, on ira se faire un petit tour. Voilà. Ah, est-ce que tu préfères. Ah, t'aimes bien. Est-ce que t'aimes bien le. Qu'est-ce qui te hype le plus, le gameplay en FPS ou le gameplay en vaisseau? En vaisseau. En vaisseau? Ok, d'accord. Je pense que tu vas kiffer les deux, mais on va faire. Oui, je pense que je vais kiffer les deux. Ouais. Je vais te montrer en vaisseau pour commencer et puis. Je laisse me suivre. On va aller se baser déjà. T'expliques le système de respawn. Oh là, c'est fluide là. Miam miam. Il y a même l'FPS là. Ouais, oui, ça va. En vrai, en ce moment, le jeu est correct. En fait, il y a. Comment dire? Il y a eu beaucoup. Bah, toute l'interface que tu vois, elle était rework en 3.23. Ouais. Énormément de choses. Le moteur du jeu a été retravaillé en 3.23 avec des nouvelles. Il y a l'occlusion ambiante qui était ajoutée, etc. Le Global Illumination, je veux dire. Qui a été ajouté, etc. Donc le jeu est encore plus beau, plus que jamais. Après, voilà, il y a plein de petits bugs par-ci par-là encore à corriger. Mais... Oui. Mais de toute façon, c'est une alpha, donc c'est juste logique, quoi. Oui, on n'est même pas censé voir. Enfin, dans n'importe quel autre jeu, on verrait même pas ça, quoi. Exact. Ce stade d'avant de développement. Donc là on va aller chercher un vaisseau et on va aller se baser en station en haut. Salut Moza, c'est quoi ta question? Tu verras, c'est plus simple après si on meurt pour respawn et tout. Vas-y. Ah toi t'as pris quoi du coup? T'as pris un starter de base? Ouais, j'ai pris le premier là. Ok ouais. Il me semblait que t'avais le choix entre deux vaisseaux mais j'ai pas eu le choix. Ah bon? Ouais. Si t'as le choix entre l'Aurora et le Mustang normalement. Enfin t'as le choix, ouais t'as... Je crois que c'est l'Aurora que j'ai. Ok. Si je ne m'abuse. Bon, bah, attends je vais pouvoir te dire ça tout de suite de toute façon. Welcome. Ah non, j'ai le Mustang. C'est mieux, non? C'est plus stylé, ouais. Ouais, nice. Après, ça reste un starter, hein. C'est oui. Un petit vaisseau de start, mais... Oui, je mettrai mon smic plus tard. Ouais, exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Puisqu'on va commencer en spatial, je vais prendre celui-là. Vas-y, viens. Vas-y, je viens. Vas-y, viens. Je vais te mettre en gunner pour l'instant. Ce sera plus simple. J'ai accepté des contrats aussi quand je me suis co. Je sais pas s'il fallait faire ça. Ah! Ouais. Oh, c'est pas très grave, mais c'était pas utile, alors. Non. On me demande de l'aide, moi je suis en mode. J'arrive. le bon samaritain. Alors. Un petit Harbinger, j'ai pris un Vanguard. J'ai pris un vaisseau sur mesure. Dans l'interview avec Médecins du Monde, il y a ce genre de questions qui est abordé, Mossa. Avec polyvalent, résistant, tout ce qu'il faut pour faire des petites missions. C'est un vaisseau que tu peux conduire solo? Bah c'est un vaisseau que tu peux conduire solo mais il y a une tourelle sur le toit en fait pour le copilote, enfin, pour le deuxième le joueur quoi.
Et bah si t'as pas le deuxième joueur dans la tourelle, t'es quand même vachement plus... Ouais. Comment dire... à la merci, on va dire, notamment des petits vaisseaux légers. C'est le plus gros que t'as ou pas? Non. Tu peux me montrer ton plus gros juste pour montrer au chat Maintenant là? Ouais. Ah, ok, si tu veux. Je pensais te garder ça pour après. Ah vas-y, vas-y, après. Non, non, vas-y, on suit ton programme. Après je suis chaud pour que je oui, non, oui, parce qu'il faut que je les claim en haut en plus. Vas-y, vas-y, je suis ton programme. Aucun problème. Ouais, ouais. T'as le boss. Je te montre mon gros vaisseau après. Vas-y, vas-y. Une chose à la fois. Pas de soucis. Et du coup, là. Alors, bon, il y a des petites couchettes là-dedans. C'est vraiment le. Petit vaisseau à deux. T'as l'entrée pour la tourelle là-haut. Non, oh, t'as, nice. T'as le F là, ici. Et à droite, t'as les gros suppositoires aussi qu'on peut envoyer sur les ennemis. Attends, je suis en train d'aller dans la tourelle là. Vas-y, vas-y. Merci Anonymous pour les 30 euros, merci infiniment. Tu voudrais essayer de piloter après? Avec plaisir. Ouh là 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 là. On peut acheter les vaisseaux avec de l'argent in-game, oui. C'est le but. Alors. Alt right. Press Alt plus R. Attends, parce que là, alors coup, normalement. La vue elle est coincée. Ta vue est coincée, c'est-à-dire. La vue elle est coincée sur la gauche et je peux pas bouger. Comment je vais... Ah oui, ok. Non, c'est bon. J'ai récupéré ma c'est clé. Bon ok. J'ai smash mon clavier. Ah, j'ai W. En fait, j'ai W, j'étais verrouillé sur... Oh, c'est ça. Waouh, on décolle là. On est parti. On est parti. Tu vois bien là? Ouais, attends, je te rejoins dans le cockpit. Tu peux passer en F4 si tu veux quand t'es dans la tourelle. Pour voir dehors. Si t'as envie. C'est trop stylé. Et comment je sais pour sortir? F enfoncé, je regarde en bas peut-être. Tu veux sortir de la tourelle? Ouais. C'est alors de alors clavier français. Non, je alors suis. C'est à tout... Je me suis mis en QWERTY. Ah, c'est Z alors. Ah non, c'est Y, pardon. Y pour toi. Non. Ah, je suis ah, en. Ah, si, si, en c'est bon. Ouais. Tu peux même faire F4 quand je suis là. Ah, ouais. Et oui, tu peux faire F4 quand t'es. Mais quand t'es en tourelle encore ou pas? Je sais pas si t'as vu. Oui. Il y a des. Comment on appelle ça? Il y a des turbulences. J'arrive. C'est moi qui tourne. Ah oui, bah si t'es debout dans le vaisseau, ouais, tu te prends la DG dans la gueule, effectivement. Ah, mais y'a pas de place pour moi dans le cockpit! Ah bah non! C'est un petit vaisseau ça! Ah d'accord. Bah, c'est un Navy Fighter, mais ça reste un petit vaisseau. Bah, t'inquiète, je vais. Bah, je retourne dans la tourelle du coup, parce que c'est là que je verrai mieux les choses. Oui, oui, tu verras beaucoup mieux depuis la tourelle. Et je peux te. Passe en vue F4 hein, quand t'es dedans. Là, tu nous emmènes où là? Je vais te montrer. Dis-moi quand t'es dans ta tourelle. Je suis dans la tourelle. Wow. T'es dans la tourelle? Ok. Alors, elle est où? Tu vois le cercle en haut devant nous? Oh oui, oh, c'est beau. Ça c'est la station orbitale. Là, oh. On va là-bas tout simplement. Incroyable. On passe en avion et on va à Quantum là-bas. Alors on va y aller en Quantum, c'est la vitesse lumière. Hein, tu vas-y, connais, vas-y. Ouais, ouais, ouais. On peut y aller totalement en ligne droite hein, pour y aller. Comment je dézoome quand je suis en vue extérieure? Alors il faut laisser appuyer F4 et la molette normalement. Ok, nice, c'est bon. Ah oui, on y est en 2-2. Oui, parce que j'ai Quantum dessus, j'ai fait un espèce de... C'est pas un TP, mais... Oui, t'as fait un petit saut. Ouais, voilà. Un mini saut. Pour aller plus vite. Stylé. Ils ont refait, tu vois, dans le dernier patch, ils ont refait tous les LOD. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup mieux de loin. Ouais. Donc oui, parce qu'on voyait la station de giga loin, là. Ouais, on la voit de giga loin, on voit les lumières super bien et tout. C'est assez, franchement, ça rend le visuel encore plus ouf. Le pack de base, j'ai payé 45 balles. Hein. Celles et ceux qui se demandent. Après, là, de toute façon, aujourd'hui, je te montre les bases et tout. Toi qui veux attendre la 4.0, comme ça, tu les auras. Et puis, 4.0, quand tu voudras t'y mettre un jour, si t'as envie. Ouais, bah, la prochaine fois, je t'appellerai pour paramétrer mon OTAS. Oui, clairement, avec plaisir. D'ailleurs, pour te baser, donc là, tu vois, là, je suis. Là, j'ai fait une demande au hangar pour avoir une place dans le hangar. Ok. Et on va se poser. Et en gros, là, on sera basé pour le respawn ici. Si t'éteins le jeu et que tu le rouvres, si tu te déconnectes et que tu te rallumes, tu seras basé. Tu vas respawn dans cette station. Ok. Parce qu'il considérera que c'est ta station principale. Mais on n'est pas basé médicalement encore. C'est-à-dire que si tu meurs, là, tu respawns à l'hôpital de New Babbage, qui est là où on était tout à l'heure. Donc il faut faire les deux en général pour être basé.
Ah, avec le Starter Pack, t'as aussi le jeu solo? Non. Pas Squadron. Non, Squadron, il sera à prix fixe. Ouais, il était à la vente avant, là, il est plus. Ils sont en train de... Oui, vu qu'ils se dialysent. Ouais. Ouais. Ouais, c'est haut ça, ce double joy. T'es dans ta tourelle, non? Je sors de ma tourelle. Ah oui. Je sors. Ok. Hop. C'est... J'appuie sur Y, j'attends. Ah, c'est bon. Je vais laisser appuyer, ouais. Hop. Mais... Tac. Toujours bien fermer le vaisseau derrière soi. On sait jamais, hein. Camargue oui. Là, c'est vrai. Ouais, parce que là, théoriquement, si je vais au cockpit, je peux démarrer, quoi. Ouais, si t'as accès à l'intérieur du vaisseau, t'as accès à tout le vaisseau. Ouais. Tu peux le unlock et tu peux le démonter pièce par pièce si tu veux. Hein. Je vais beaucoup m'émerveiller, hein, désolé. T'inquiète, t'es là pour ça. Waouh, là c'est trop beau là. Hein. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, ça sert à rien d'attendre la 4.0. Il y a déjà de quoi s'émerveiller 10 fois avant la 4.0. Ouais, juste le temps de te balader dans tout le système et c'est bon quoi. Exact, le temps d'apprendre un peu et tout, comme ça quand la 4.0 sera là, tu pourras la kiffer à fond. Le jeu est magnifique. Et quand il tourne à 60. Enfin, je pense pas qu'on soit à 60, mais vers 50. Là, on est. Moi je suis à 60. Alors, je suis bloqué à 60 à cause de mon écran, moi. Donc, de toute façon, là je suis au max là. Mais genre, franchement. Là, on peut facilement monter à 80, 100. Mais après, ça dépend où, hein, attention. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, quand ça tourne bien, c'est trop incroyable quoi. Ouais. Là on attend l'ascenseur là. Ouais, et là j'ai pas de map en haut à gauche, c'est normal? Alors parce que t'as pas ton casque. Ah. Normalement si t'appuies sur Alt H tu vas rééquiper ton casque, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Vas-y, viens. Ouais. Je l'ai mis là. Ouais, et normalement tu as... Bon là t'as radar indisponible parce qu'on est dans l'ascenseur. Mais tu vas l'avoir la map dans quelques instants. Là, normalement elle pop. Ah oui, ouais, tout à fait. Puis là si t'appuies sur F2 je crois de base pour la star map, T'as l'intérieur de la zone. Tu peux même mettre un point de repère avec la touche quand t'appuies sur R en visant un point. Ça te fait comme un GPS. On est à Port Tressler là, c'est ça? Exact. Putain. Et tu vois la clinique sur la map? Nous on va aller là-bas. La clinique sur la map. Ah, j'ai trop dézoomé, je suis sorti là. Ah oui. C'est possible, attends, je vais claim mes vaisseaux pendant que j'y suis. On va prendre quoi? Je vais claim le. Vraiment, tu vois, moi je joue beaucoup. J'aime beaucoup les jeux Bethesda, tu vois. Et j'ai trop kiffé Starfield, aucun problème et tout. Mais genre, le coup du. Tu peux gérer ta vitesse avec la molette, je trouve ça incroyable. Parce que moi j'aime trop l'immersion, tu vois, dans les jeux comme ça. Ouais. Et de jamais pouvoir marcher à la vitesse précise que je veux, c'est tellement frustrant. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Là, c'est trop bien, là. Alors, je claim le C2. On va claim quoi? On va te sortir. Après, on va te faire une expo de vaisseau si tu veux. Pour info, t'as un truc ce soir après Ouais, j'ai Minecraft. C'est à quelle heure Minecraft? 20h, 20h30, 21h. Ouais, ok, donc ça va vite passer le temps, donc on va pas trop qu'on traîne. Mais genre, à 20h pile, je vais y aller so long, tu vois, genre. si on est en train de faire des trucs cool. Non, c'est juste que j'anticipe un peu ce qu'on a le temps de faire ou pas. Ok, let's go. Vas-y, alors je te montre. Vas-y, t'es trop le seul de pas pouvoir être là lundi, mardi du coup. Avec Daz. Mardi, mais je sais pas ce qu'on va faire mardi pour le coup. Bah, pour l'instant, il y a pas grand chose de prévu de plus que ce qu'on va faire ce soir, donc. On verra. Bah, fais gaffe, t'as dit que t'adorais Starfield. Tu vas te faire rogner par la communauté, par contre. Ah ouais? Ça va, ils sont pas encore sur mon chat, donc tout va bien. Ça va, ils t'ont pas encore insulté dans le chat, ça va. Vas-y, alors ici tu vois, alors là on est à la clinique, t'as pas mal de fonctions différentes à la clinique, dont celle-ci là, sur ces écrans là. Pourtant Starfish est bugué aussi, ça devrait leur plaire. Hi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais il y a moins de compte. Bah, bref, okay, nous donc on s'en parle dans le sujet. Donc là, ça c'est pour la régénération. Et donc ça en gros, je transfère mon respawn. Exactement, okay. Et là il faut transférer ton respawn ici, et tu pourras, bah, quand tu meurs, tu respawneras ici. Ok. Oui, ce qui est plus pratique que de respawn à chaque fois à la planète, quoi. Exactement. Ah, je peux re-reset par contre, même en étant là. Okay. Tu peux re-reset si tu veux. Alors, parce qu'en fait, comme la planète New Babbage, là où t'as spawn, c'est ta planète de départ, tu peux reset à tout moment ton respawn pour te faire respawn dans la capitale si tu veux. Exactement. Et ici, t'as des petits magasins, t'as la pharmacie, donc tu peux t'acheter par exemple. Bah, je t'invite à t'acheter. Ah, quoi que t'as combien? T'as 20 000 balles? 25 000, ouais. 25 000 balles. Bon, je t'invite à t'acheter déjà. Un paramètre gun dans la boutique en bas à gauche. Ok. Ça te dépannera. Ça, typiquement, je le garderai même si je déco et tout.
Ah oui, bah là, en fait, sauf si vraiment il y a un reset, parce que mais je crois que là pour l'instant ils ont pas prévu de faire un reset avant la 4.0. Ah non, j'ai 200k. Ah, quelqu'un t'a envoyé de la thune. Peut-être, ouais. Ah, c'est toi. Et là, c'est quoi ce PL là? C'est toi qui m'as envoyé de la thune? Non, non, c'est pas moi. Ok, ah, le moi, chat, j'accepte tous vos dons. Ouais. Okay. Ah, y'a un joueur, bonjour. Parce que moi je les engueule quand ils m'envoient de la thune, je leur dis: t'as, vous m'envoyez mes objectifs de farm, bande de salauds! Ah oui, non, moi vous pouvez me PL, hein. J'ai plein de vaisseaux à acheter là. Allez-y, PL-le si vous voulez. du coup, oui, bon bah du coup, ça, on va pouvoir t'acheter une armure, on va faire ça. Donc t'as pris un petit. Tu peux en prendre deux ou trois d'ailleurs si tu veux. Ah ouais, ok, parce que moi, c'est une ressource. Alors, je vais t'expliquer un peu tout ça. Moi ce que je fais en général, vu que les armures tu les perds si tu meurs en fait. Enfin, tu peux les récupérer si tu vas retourner sur ton cadavre, mais il y a quand même beaucoup de cas où tu le perds. Donc en général, ce que je préconise, c'est d'acheter plusieurs exemplaires chaque truc, comme ça t'as de la réserve. Okay. Là, tu peux en prendre 3 par exemple. Ouais, j'en ai pris 4. Et voilà, 3-4. Tu peux aussi prendre des medpen en haut à droite en rouge. Ok. Ah ça, je me suis fait un fixe avant de sortir de ma chambre. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est vraiment le truc de soins basique. Le Hémosal, le rouge. Le rose. Le rouge. Non, le rouge. Le rouge, ouais, mais c'est Medpen. Ah oui, Hémosal, t'as raison. Oui, c'est ça. Pareil, j'en prends 4-5 quoi. Ah, je peux même en prendre 10. Tu peux en prendre, ça c'est pas perdu. Ah, mais après, ça va faire full poids dans mon inventaire ou quoi, non? Alors, non, alors, ça va changer dans le prochain patch. Donc c'est pour ça que ça va faire un énorme changement le prochain patch. Mais en gros, là pour l'instant t'as un inventaire local de station. Fais pas attention, je me mets tout nu. Ah, c'est tout va bien, c'est normal. Je rappelle. Regarde pas, s'il te plaît, c'est un peu d'intimité. Prochain match ça va changer, mais ouais, je mets mon armure. Oui, il se met en mode Destiny là. Putain, oui, ouais. D'accord, monsieur flex. Oui, je flex un peu, excusez-moi. Ah oui. C'est de l'argent, à un moment donné il faut l'utiliser. Hop là. Hop, on va remettre ça. Non, mais m'envoyez pas de l'argent in-game si vous en avez pas beaucoup, faites pas ça. Hein. Oui, vous inquiétez pas, il y en a plein qui ont des millions, vous fatiguez pas pour ça. Ok. Donc, voilà, donc ça c'est bon. Donc t'as tes medgun, normalement. Alors, voilà, si tu cliques sur I. Oui. T'as accès à ton inventaire local à droite. Ouais. Alors ça sera différent la prochaine fois que tu joueras, je pense, parce que ça va changer dans quelques jours, mais en gros à droite, t'as l'inventaire de la station. Le local, c'est en gros la station où tu es. La ville, ça peut être la ville de New Babbage où tu étais tout à l'heure, ou la station, ça peut être le vaisseau dans lequel tu es, c'est écrit en général, en fonction de où tu es. Attention, parce que t'as pas accès à l'inventaire de New Babbage si t'es ici par exemple. Oui, donc, évidemment. C'est localisé. Oui, il y a marqué RX Clinique, machin. Voilà. Et là, t'es dans l'inventaire de la clinique. Et donc, t'as donc les medguns qui sont en bas, enfin qui sont normalement dans la section utilitaire. Alors, il faut que je vérifie si t'as accès à ça plus tard. Il faudra qu'on ait. Normalement, c'est après que t'équipes ça après l'armure. Donc, pour l'instant, tu peux les laisser dans l'inventaire. Et on va aller t'acheter une petite armure. Comment je fais pour dégainer mon arme? Ah, tu peux pas ici, on est en armistice zone. C'est-à-dire, on est en zone. Enfin, genre. C'est la ville là, c'est la civilisation, c'est la saucisse. Allez hop. Où est-ce qu'il est, mec ? L'ascenseur. On va aller t'acheter une petite armure. Ah, attends, je retiens l'ascenseur. Ah ! Pardon. Il y a Team 1 AUEC. Ah, c'est pas sur cette cagnotte là, je vois les dons d'AUEC là. Ils sont trempés de cagnotte, les mecs. Là, let's go, viens. Oh. Et là ici normalement t'as accès à... C'est qui ça alors, l'armure? Ça c'est un ami ça. Attends, je crois. C'est quoi l'armure la plus chère du jeu? Les armures les plus stylées du jeu sont pas disponibles à l'achat dans les dans les magasins, surtout en fait, parce qu'elles sont soit lootables sur des PNJ, soit dans des coffres. Après ça dépend, l'armure, on va dire l'armure, le top méta, on va dire qui se fait une armure de base qui marche bien. Si tu vas dans l'écran de chargement, dans l'écran d'achat qui est à côté de, enfin dans le, ouais. Là, à côté de moi là. Par exemple si tu cherches Morozov, Morozov par exemple, ça c'est des types d'armures qui sont chères, okay. Chères et qui sont assez efficaces. Ouais, c'est genre 20k l'intégrale quoi. Ouais, voilà. Un peu plus, ouais.
Après, t'as d'autres armures un peu moins chères qui sont tout aussi bien. Moi, j'aimerais bien genre l'armure de base, tu vois. Histoire de pouvoir upgrade après. L'armure de base... Bah après, il faut savoir que c'est dans chaque magasin, t'as des sets d'armure différents. Ok. Actuellement, il y a heavy, medium et light. Et c'est tout en fait, t'as pas de stats entre les armures différentes. Okay. Donc après, tu te fais un peu plaisir en fonction. Je te recommande du lourd pour au moins le torse et la tête. Et les bras, bon bah tu... medium ou même léger, mais medium c'est mieux quand même. Tu vois ça où, medium, machin et tout? Quand tu cliques dessus, en haut à droite. Cliques, okay. Ah oui, light armor et tout. Oh, c'est exact. Ça. Et après, attention, maintenant ils sont en train d'intégrer en jeu les armures spécialisées. Donc par exemple, des armures qui ont des spécificités pour leur rôle. Par exemple, des armures de combat, ils ont le hit marker en combat. Donc genre, mon armure, moi, si je sors mon... J'ai un crosshair avec mon armure, que t'auras peut-être pas avec l'armure que tu as maintenant, par exemple. Oh, c'est trop bien, mec. On l'a perdu. Ouais, je suis fan là, de ce que je vois là. Mais t'inquiète, j'écoute tout et j'enregistre tout ce que tu me dis. Fais-toi kiffer, t'inquiète. J'écoute et j'entends et je processe. Il faudra pas oublier les munitions d'ailleurs. Je cherche un casque pour aller avec mes... Ah, j'ai pris E. Ouais, non, très bien. Pour l'instant, les armures, c'est un peu du consommable sur SC. Bah, on attend la prochaine mise à jour. Je passe ma vie à dire ça depuis 6 ans, mais on attend la prochaine mise à jour pour... Les items banques, ce sera la nouvelle façon de gérer les items justement. Et on ose espérer, on sait pas encore exactement comment ce sera, mais on ose espérer la possibilité de sauvegarder un set d'armure et de le récupérer. Parce qu'actuellement, tu vois, par exemple, mon set d'armure là, que j'ai, si je le perds, je dois attendre le prochain patch pour le récupérer. Ok. Ah oui, parce qu'il est lootable qu'une fois. C'est un set d'armure que j'ai acheté en argent IRL, je me suis fait plaisir, tu vois. Je le pourrais regarder en continu, le récupérer dès qu'il y aura justement normalement les items banques. Donc dans pas longtemps. Mais pour l'instant, c'est du consommable les armures, clairement. Et c'est pour ça que, en général, vu que t'as de la thune, je te conseille d'en acheter 2-3 de chaque pièce, comme ça t'as de la marge. Si tu meurs, tu peux respawn. Sans me faire chier, allez. Que je perds pas mon inventaire si je meurs? Ah, si tu meurs, tu perds pas l'inventaire local, tu perds que ce que t'as sur toi en fait. Ok, oui. Comme Tarkov par exemple, je crois. Je sais pas si t'as joué un petit peu. Ouais, je vois le délire. Je suis désolé, je prends le temps parce que je cherche des choses qui vont bien ensemble. T'inquiète, je vais être le plus stylé possible. Je vais te dire ce qu'il faut que tu prennes après. Si tu veux. Ouais. Je vais trancier, là. Munitions. J'ai oublié un truc. Multitool, c'est pas là. On ira après à la zone cargo pour t'acheter les derniers trucs. Donc ici, c'est armure, armes, munitions. C'est un viewer de chez toi, le mec qui nous suit? Je sais pas, mais je crois. Ça me dit quelque chose, son armure. J'ai pas de notif de. J'ai oublié un truc. Je crois que c'est pas un de mes modos, ça. Philippe? Philippe, on a peur, Philippe, là. C'est toi. Tu peux répondre. C'est pas lui. C'est qui? Je pense que c'est un de mes viewers, mais... Ah, c'est Twilink. Twilink. Ouais, c'est un de mes amis, mais je sais pas qui c'est. Oh non, moi, j'ai fait un quick buy sur un truc que je voulais app. Ah. T'as acheté un truc moche? Ah non, j'ai pris que des trucs trop stylés, par contre. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi je vois ton écran. Je peux te stalker. Ah ouais? Je suis pas rassuré après. Là. Et le RGPD, Terada, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que là j'en suis. J'en profite. Là t'en es loin là. J'en suis très loin, ouais. Y'a que ça en heavy là. Bon, tant pis. Ok. Attention. Le viewer qu'on a à côté là, c'est un viewer habituel. Mais il nous croise là par hasard en fait, il était là dans le coin par hasard, c'est ça qui est drôle. Il revient de mission. Alors du coup, je me prends juste... Ah oui, les armes, t'as pris... Il y avait un truc. J'ai pas pris d'armes. T'as pris quoi? Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît? Non mais je juge pas du tout, non mais c'est très bien, c'est bon. Je me suis lâché un peu là sur l'outfit. Ouais. Surtout les jambes, alors les jambes franchement... Je me suis dit un petit truc un peu léger, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est très très discret. Non, en pleine nature on ne verra pas du tout là. Non, et je pense que c'est pas mal. Et le boule, le boule, je le travaille à la salle.
Je comprends. Pour l'instant, c'est pas encore tip top, mais ça va venir fort. Oh, ça s'améliore avec le temps, ça, évidemment. Hop là, très beau petit pas. Hop. Ah, c'est horrible. Ah, les jambes. Alors, je suis désolé. Ah, mais le reste, ça va, mais les jambes, c'est. Ok, du coup, je peux acheter des armes ici, là ? Alors, les armes, ouais, tu peux acheter des armes. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, ici, dans le magasin, tu peux pas acheter tout. Hein. Tu peux acheter que les armes de basique un peu. Après, tu peux looter en faisant des missions, des armes un peu plus spécialisées, etc. Okay. Mais du coup, tu peux. Catégorie armes perso, armes personnelles. Hop là, petite SMG là. Ah bah. Alors, je te conseille. Je sais pas ce que t'as pris. Je vais te conseiller. J'allais prendre la SMG là. La SMG ? C'est laquelle son nom ? P8 SMG. Ah, la P8 ? Ouais, la P8, valeur. Oui, valeur sûre, la P8. C'est un peu la SMG de base. Ouais, s'il y a mieux. Et... Oui, ça va, tu peux prendre ça là, ça ira très bien. Ouais, je suis un P1 de toute façon. Ah, il me propose déjà des magazines. Exactement. Alors, si tu tapes P8 dans la recherche, de toute façon, il va te proposer des magazines. Tu peux en prendre une bonne quarantaine, je pense, pour être tranquille. Et tu peux taper dans la recherche en haut, holo, et prendre un gamma duo x2 holographique, c'est le viseur. Ok. Et une fois que tu auras ça, normalement, on est presque bon. Alors, il faut savoir que là, ce qu'on fait, c'est la session un peu shopping, en mode on s'équipe, mais quand t'as l'habitude, etc. T'as déjà fait ta session shopping avant de commencer à jouer, parce que tu achètes plusieurs exemplaires et tout. Tu fais pas ça. Ah, et maintenant que j'ai une armure, j'ai un inventaire perso. Donc je peux mettre des trucs de droite à gauche. Exactement. Et t'auras besoin. D'ailleurs, moi, tu vois, j'ai pris des munitions en rap dans mon inventaire personnel à gauche. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un sac à dos. Parce que du coup, si tu prends un sac à dos, t'as plus de place. Ah. Tu vois. Bon, mon sac à dos moche, mais sac à dos quand même. Et c'est pratique, ça te permet d'emporter du loot et tout. Ah bah oui, parce que là, je peux pas m'équiper. Je peux pas prendre l'arme, par exemple. Alors si tu... Oh, si, normalement, oui. Prends combien de chargeurs sur WAM ? Full, tu remplis, tu bourres. Enfin, sur toi, dans ton inventaire. Ouais. Tu mets. Moi, j'en ai pris 5 en plus. Après. Après, c'est. Oui, tu peux. C'est pas ce qui coûte cher, on va dire. Oui. Ouais, on va aller acheter de la bouffe après. Oui. Parce que là, t'as pas équipé les. Ah, si, t'as c'est tout bon. Petit, un tout petit devant. T'as tout, un tout petit bien. Devant. Oh, c'est un chargeur. Je précise. Chargeur de quoi d'ailleurs? Ah, je suis en train de mettre les chargeurs. Oh putain, on les voit physiquement sur l'armure. Oui, sauf que là t'en as mis 15 seul. Attends, je suis en train de bourrer là. Je peux plus en mettre, je crois. Simple. Ah ouais? Je double clique sur les chargeurs, ça marche plus. Ouais. De toute façon, pour voir s'ils sont équipés. Bah, j'en ai quand même 7 hein. T'en as 7, c'est bon? Ouais. Ok, bon bah nickel. Bah, tu vois, tu les vois sur moi normalement les chargeurs. Ouais, je les vois sur toi. Ouais, c'est trop stylé. T'es bien équipé là pour la bagarre là. Là, je suis équipé pour la bagarre. Ouais. Je prends un sac ou pas besoin en vrai? Si tu veux, tu peux prendre un sac à dos, c'est pas perdu, c'est pas mettre à le looter. C'est vrai que si on loot des trucs et tout, c'est bien si j'ai un sac quoi. Ouais, et tu peux équiper. Ouais, tout à fait. Et normalement, t'es tout bon, donc t'as munitions. Ouais, je vois que tu t'es équipé, ok, P4. T'as pris le holo? Ouais, non, j'ai pris le holo. Tu l'as équipé sur ton arme? Faut que je te dise ça. J'ai double cliqué sur le holo. Je crois pas qu'il se soit équipé, vérifie peut-être. Alors. Non. C'est bon, j'ai double cliqué dessus. Et normalement il se met sur ton arme vu que tu l'as déjà équipé. Ouais, c'est bon. Là c'était bien. Nickel. Je pars en rando. Je crois qu'on est bon pour ici. On va aller à la suite, dernière étape. Ce sera la plus courte. On va se prendre un petit... un peu de flotte. Un peu de soupe. Il y a ce par là. Je vois que le pistolet médical, je crois que je l'ai pris, non? T'as pris le pistolet médical? Ah non. Non, mais c'est pas. Je comptais te rappeler de le mettre après. C'est bon, j'en l'ai. Cette dégaine. Ça te plaît? Ah ouais, bah là au moins l'avantage c'est que tu fais fuir les ennemis quoi. Bah c'est ça. C'est tout l'intérêt. Ici c'est un peu la zone magasin, il y a un petit peu de tout. Il y a des emplacements encore vides parce qu'ils laissent pour plus tard, j'imagine, des options. Et dans tout ça, c'est toutes les stations spatiales ont plus ou moins la même architecture. Il faut savoir que c'est procédural toutes les stations spatiales. Ok, c'est procédural, c'est-à-dire à chaque fois que tu y vas, elles changent ou c'est... Elles sont toutes... Ah non. Non, en fait, elles sont créées procéduralement, c'est-à-dire que c'est des assets faits à la main, qui sont assemblés procéduralement, retouchés à la main par derrière. Et chaque station du même type, du coup, se ressemble parce que forcément, tu vois, ça va être le même type d'architecture, etc. Mais elles sont agencées différemment, en fait. Ça permet d'avoir plein de stations, quoi.
Voilà, exactement. Et bon, du coup, il y en a vraiment des copier-coller. Il y en a beaucoup, du coup. Il y en a une vingtaine. Non, je dirais, ouais, comme ça. Genre, bien. Il y en a autour de chaque planète, plus les points Lagrange. Alors, une vingtaine, peut-être que j'ai. Ah, moi, pas, j'avais une question quinzaine. Sur laquelle j'ai jamais eu de réponse. Oui. C'est genre, Squadron 42, il va avoir combien de systèmes? Est-ce que ce seront les mêmes que ceux de Star Citizen? Squadron 42, alors de base. Viens, tu peux me suivre. Vas-y, je te suis, je te suis. De base, Squadron 42, c'est un peu à part parce que c'est le jeu solo et contrairement à SC, ça va pas être un open world, enfin vraiment open world comme on l'entend. Ça va être aussi un jeu action, etc. avec une histoire à suivre, etc. Donc il y aura de base, si je dis pas de conneries, reprenez-moi le chat, je crois 5 systèmes dans Squadron hein, qui seront exploités, on va dire. Et certains systèmes seront communs avec Star Citizen. 3 okay. ou 4. Ouais, on me dit 3 ou 4, j'ai un doute. Du coup, théoriquement, les systèmes finis pour Squadron ont copié-collé et boum, ils sont dans Star Citizen quoi. Il y en a certains qui seront dans SC, d'autres non, d'autres qui sont exclusifs à Squadron parce que Squadron va se passer dans zone Vandoul, donc tu sais, les aliens. Ouais, ouais. Et donc certains seront inaccessibles en tout cas au début. Et puis il faut savoir aussi que les systèmes sont accessibles entre eux via des jump points qui sont pas forcément tous connectés les uns avec les autres. Merde, on est pas au bon endroit, merde, excuse-moi. Mauvais étage. Et du coup, on aura, même si les systèmes sont terminés en eux-mêmes, ça veut pas dire qu'ils arrivent tout de suite en jeu en fait. Donc on verra, ça c'est un peu le mystère pour l'instant. On sait pas trop, après Pyro, on sait pas trop ce qui va venir en premier. Peut-être des systèmes de Squadron, peut-être pas. On verra. Parce que théoriquement, il y a même des vaisseaux, il y a même des personnages, des quêtes, des missions qui sont finies pour Squadron et qui pourraient être dans Star Citizen quoi. Bah là, l'interface que tu vois, c'est normalement l'interface qui était développée pour Squadron et qui est arrivée sur SC il y a quelques semaines, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est valable pour plein de features, quoi. Il y a Nyx, mais il y a d'autres systèmes aussi, on sait pas trop. Hein. Il y a Terra aussi, on parle de Terra. C'est pour ça que ça s'accélère, là. Ah ouais, là, ça accélère fort, là. Le jeu est un peu pété en ce moment, mais en vrai, il y a tellement de trucs qui arrivent que ça, c'est je suis toujours. Là, c'est par là. Si jamais, alors là, t'as deux trucs à acheter. Je vais t'inviter à, dans la recherche, tu tapes Cruze, C-R-U-Z. C'est des bouteilles de soupe. Et ça, c'est pratique. Ça remonte l'hydratation et la faim. J'en prends 10. Tu peux en prendre 10, t'en mets 3 sur toi. Ah, je peux même en prendre 100 vu le prix. Oui, ouais, alors peut-être pas 100, mais enfin, c'est toi qui vois. Mais j'en ai pris 60 et pas de limite. Et une fois que c'est fait, tu tapes Multi. T'auras Pyro. Le Multi-Tool normalement. Exactement, t'en prends. Alors attention, ça coûte un peu cher normalement. 480, ça va, c'est rien. Non, là tu peux en prendre quelques-uns aussi pour la sécurité. Moi je crois que j'en ai déjà. Hop là. Et ensuite, tu tapes Tractor, comme Tractor Beam. Et là t'as module de rayon Tractor. Alors, c'est, en anglais c'est Tractor Beam module, un truc comme ça. True Tractor Beam batterie, Max Lift Tractor Beam. Non, tu prends pas le max leaf, tu prends vraiment module tractor beam. Ah, j'ai pas module. J'ai beam tractor beam attachment. Ah, c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, attachment, pardon. En anglais. Ouais, j'ai la VF, donc. Enfin, j'ai la trad fan made. Ah oui, la trad, oui. Faut que je la mette. Je sais plus. Du coup, je sais plus. Ah, j'ai reçu des AUEC, je suis à 200 000, ça y est. Oh, d'accord, le PL est présent. Ça va, on m'a juste donné 20 000. Ça va, ça va. Du coup maintenant tu appuies sur I, tu vas dans ton inventaire, dans utilitaire, et dans utilitaire donc t'as déjà mis ton medgun, du coup tu peux mettre ton multi-tool, tu mets dessus module de rayon tracteur. Okay. Et puis ensuite quand t'as fait ça, dans substance, tu prends tes bouteilles de cruze, t'en prends 3 sur toi, tu les mets dans ton sac à dos, ça fera le taf. Et puis on est prêt. Quand je double clique sur les bouteilles ça marche pas. Ah non, tu cliques droite, diviser, t'en prends 3. Tu fais un stack de 3, tu glisses dans ton sac à dos. Ok, et on a dit quoi d'autre? Et après, je crois que c'est bon. Tractor Beam, tu l'as mis. Attends, t'as ton module dessus, je crois. Je vais vérifier. Ouais, je l'ai mis normalement le module. Ouais, je crois que t'es tout bon là. Bon, rien. Et bah, good to go. Ouais. T'as un excès de style, sinon tout est bon. Voilà, en plus, t'as des énormes bras, des toutes petites jambes. C'est pris de l'évier armor pour le haut du corps. C'est ouf. Et du léger en bas pour aller vite. C'est pour l'aérodynamisme. C'est pensé. Vas-y, viens. On va y aller. On va essayer de faire 2-3 missions et puis
J'aimerais bien te montrer un peu de FPS quand même avant, donc on va faire un peu de tout, mais... envie de voir un gros vaisseau aussi là. Un gros vaisseau là. Alors le truc c'est, alors pour jouer à deux, je sais que, alors je peux te montrer les gros vaisseaux et après on part en mission, parce qu'en fait, moi je suis de je suis de l'école, donc on prend pas un méga ship si on est que deux, tu vois. Ah non non, mais de toute façon c'est pas pour les conduire, c'est juste vraiment pour les regarder, voilà. Tu vois. Donc je peux te les sortir, je peux te sortir mon gros ship, et allez. Puis et après on le visite si tu veux, et puis après on reprend mon ship, un ship normal pour... Il y en a, ils ont des skins stylés, hein. Et puis à la fin, si tu veux, je te ferai tester un vaisseau de combat solo. Vas-y. Mais plutôt à la fin, comme ça. Alors, Inferno... Alors, on va te sortir le... Un gros vaisseau de combat. Allez, tu veux du gros pio-pio, c'est ça? Ouais. Oh, merde, il est pas claim, là, Murray. Un truc stylé à l'intérieur, aussi. Bon, ça, ce sera dans 15 minutes. Donc, on va te sortir le Hercule, pour l'instant. C'est un joueur. Il joue RP et tout. ah bon. Ouais, il marchait stylé, il m'a dévisagé avec un peu de haine et il a regardé mes jambes. Ah oui, c'est un joueur alors, effectivement. Tac. Inferno. C2. Vas-y. Vas-y, je sors le C2. Ça va juste vraiment être le meilleur jeu du monde, hein, c'est trop grave. Hein. Ah ouais, mais là, moi je passe ma vie dessus déjà. Ah, mais c'est un petit prankeur, il. C'est quoi ? C'est un petit prankeur en fait. Le monsieur là ? Ouais. Ah, il est en armure, style son armure en vrai. Mais quand il sortira okay, attends, deux semaines de RP là, avec la légende, non mais incroyable. Toi tu fais du RP déjà? Non pas du tout, mais j'ai fait ma première expérience RP en live la semaine dernière sur V-Rising. Ah ok, ah oui le V-Rising. Ouais. Et c'était, ouais. J'ai trop kiffé tu vois. Ouais. Mais c'est du semi-RP donc ça... Ah ben... Ah c'est pas le plus gros hein. C'est le plus gros que j'ai là, si je dis pas de conneries. Y a plus gros, mais ça c'est un des gros vaisseaux de transport du jeu. Ah bon. Et c'est un vaisseau, je vais te montrer un peu l'intérieur. Je fais juste le tour vite fait de l'extérieur. Il est tellement grand que ça va, tu vas pas voir grand chose de l'extérieur au final. Oh putain, il en impose. Ah c'est pas... Attends. Non, je vais dire ça, de la merde. C'est un Hercule. Hein. Ouais, j'allais dire ça. C'est un Hercule de Crusader Industries. Et vas-y, je trouve la rampe pendant que tu regardes. Ouais, c'est pas stylé. Beaucoup, ouais, oui. Ah, c'est Crusader Industries, ils ont des beaucoup les vaisseaux. Hop là. Gros réacteur là. Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'armes. Non, c'est un vaisseau de transport. Ah, il y a une variante militaire qui est un énorme. Bon, bah, c'est le même vaisseau, mais en version bombardier qui balance des T-10 sur la gueule. Des nukes globalement. Bras trop courts. Oui, j'ai des problèmes de bras. Merde. Ouais, ils ont été un peu cons, ils ont mis le truc en haut. Attends, j'ai réussi à ouvrir l'ascenseur. T'as réussi? Ouais. Voilà, ça c'est beau là. La chance du débutant, comme on dit. Hein. Parfait. Du coup, ouais, c'est. Ah, tu peux mettre un véhicule dedans. Et tu peux en mettre plusieurs même. Et ça qui est cool avec le Hercule, c'est que c'est vraiment une plateforme à véhicule. Tu peux mettre des tanks, tu peux mettre des trucs de soins, tu peux mettre des petits vaisseaux dedans, etc. etc. Donc c'est un vaisseau qui est beaucoup cargo, utilisé quoi. Dans le jeu. C'est un des plus gros vaisseaux de cargo, enfin c'est un des plus efficaces. Et t'as l'ascenseur là, qui est déjà... Ouais, que j'ai descendu. Et t'as l'échelle à droite si tu veux monter. Voilà, c'est l'ascenseur ou l'échelle. Je vais prendre l'échelle pour mon boule. Vas-y, on mate ton boule. Ah, c'est surtout pour le bosser, tu vois. Ouais, je comprends. Ah, pourquoi il redescend le frérot là hein? Tu redescends? Ouais, mon perso veut redescendre. Ah. Ah merde, peut-être que je t'ai monté dessus. Ah, ouais. Ah oui, effectivement. Effectivement. Ouais, il faut insister un peu, tout va bien. Ça va, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, c'est la partie supérieure. Il dit que... Toi, typiquement, tu vois là ici il y a des stockages par exemple. Là où je suis là, ah non ça c'est un composant mais à droite là. Ça c'est un stockage. Quand tu cliques dessus t'as accès à un inventaire externe. Qui est un inventaire séparé en fait dans lequel tu peux stocker des objets. Pour les déplacer simplement d'un inventaire à l'autre. Ok. Donc ça c'est temporaire parce que bientôt ils vont mettre le vrai inventaire non? Alors il y aura toujours des inventaires comme ça. Mais ils sont déjà en train de l'implémenter. Déjà actuellement dans ce vaisseau, avant on pouvait tout mettre dans l'inventaire local de ce vaisseau, on pouvait mettre énormément de choses et ça rentrait. Là ils l'ont nerfé à fond et maintenant si on veut prendre du stuff avec nous,
en grande quantité, on est obligé de s'acheter des grosses caisses de transport, les mettre dans la soute que t'as vu en bas et stocker dans ces caisses de transport le stuff. Ce qui fait que oui, c'est une façon de physicaliser tout le stuff. Alors ça sera jamais une caisse de flingue avec des flingues physiques dedans, tu vois. Oui, enfin, bah ça, oui. Ça reste une sorte ça, de. Ça coûterait des ressources pour rien. Ouais. Après, il y aura l'hyperdrive spécialisé. Alors là, t'as tous les composants. Ouais, ça c'est quoi? Ça c'est l'hyperdrive, je crois. J'ai un petit doute. Ou générateur d'énergie. Normalement, les composants sont physicalisés plus ou moins. Pas tous. Ah, c'est en train de venir. Prochaine mise à jour, ingénierie 4.0 du coup. Là, ce sera full interactive partout. Donc dans 2 mois. Ouais, là, faudra bosser quoi. Ouais, là, il y aura vraiment du gros gameplay multicrew. Si t'as pas envie de faire de FPS, tu peux venir et réparer des vaisseaux. Te faire embaucher sur des vaisseaux. Les gens pensent que c'est une simule de vaisseau, mais pas du tout. C'est un MMO FPS de base et la plupart des gens vont jouer sans piloter un seul vaisseau. Ils vont embarquer dans un crew et puis let's go quoi. Ouais. C'est une masterclass. Et donc là, tu vois, là, c'est la petite zone d'habitation, blablabla. Bah. C'est une petite. Puis en face, t'as la bouffe. Puis dans les variantes militaires de ce vaisseau, ici, t'as le contrôle des tourelles par exemple. Ah, il y a une variante militaire, ok. Ouais, parce que je te dis, la variante bombardier là qui balance des grosses bombes. Donc il y a de quoi faire. Coup. Non, mais oui, le potentiel RP est zinzin. Le potentiel. Alors, moi, je suis pas joueur RP à la base et j'en fais pas, mais j'avoue que j'attends que le jeu soit adapté à ça parce que c'est assez intéressant. Ça hype pas mal. Il y a quand même y a un potentiel de malade. Bah de base, je suis pas non plus un joueur RP, mais genre, ça me donne envie, tu vois. Genre. Oui, clairement. Que chacun ait son rôle sur un vaisseau. C'est pas du RP partitionné, c'est un RP un peu naturel qui va se faire. Ouais, c'est ça. Où tu croises des gens et ça se met en mode RP, mais genre, pas forcément. Oui, parce qu'en fait, théoriquement, si t'as envie que ça joue bien et que ça fonctionne, t'es un peu obligé d'RP ton rôle parce que. Tu peux pas passer de mécanicien à voler la place du vaisseau, enfin du pilote et piloter quoi. Oui, ouais, voilà, ça dépend des cas, mais ouais, effectivement. Et là, donc, aussi la partie cockpit. L'avantage, alors ce vaisseau, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vaisseau qui est à la fois. Donc, c'est un gros vaisseau de transport, mais qui est adapté pour le vol en atmosphère. Okay. D'où sa forme, t'as vu sa forme. Ouais. Il va assez vite en atmosphère, etc. Et surtout, il a pas besoin de beaucoup de personnes pour le piloter. Donc, genre, typiquement, à deux, tu peux le contrôler, ce ship. Oui, parce que du coup, je voyais, il y a 2 postes de pilotage. Ouais, bah t'as pilote et copilote, quoi. Copilote, il peut contrôler une tourelle, je crois. Non, Ouais, il doit pouvoir sortir les trains ou des trucs comme ça, non? Ouais, il y a les toiles de défense, en fait. Non, bah c'est surtout contrôle des toiles de défense, t'as le... pour l'instant, le copilote a pas énormément de rôle. Il en aura plus par la suite, avec l'ingénierie et tout. Ça, c'est tellement mieux de pouvoir juste appuyer sur F pour ouvrir les portes. Si tu vois ça, viens voir, je te montre. C'est déjà modélisé dans le vaisseau, ça va arriver en 4.0 full fonctionnel, mais tu vois ça? C'est des relais qui sont devant là. Ça, c'est des relais, c'est comme des fusibles en fait. Et ce sera un système de circuit entre dans le vaisseau. Où si tu casses des relais, tu as. Bah, ton vaisseau il finit par tomber en panne. C'est comme des routes en fait qui font l'alimentation entre des composants à l'arrière, à l'avant, etc. Et plus ton vaisseau va subir des dégâts, plus tes relais vont prendre des dégâts. Il faudra les remplacer, les réparer, etc. en plein vol pendant que les ingénieurs répareront les composants en eux-mêmes, etc. Trop bien. Donc tout ça, c'est un système qui va arriver. Choun. Voilà. Là, on a tout visité de ce vaisseau ? Ouais, c'est pas le vaisseau avec l'intérieur le plus. Majestueux. Mais il est fonctionnel. Alors, il est très fonctionnel ce vaisseau, il est assez particulier dans le design intérieur parce que bah il y a cette partie haute là qui est assez spéciale avec ce couloir central. Ouais. Ah, et puis le grand hangar en bas, c'est pas le vaisseau qui fait le plus vaisseau à la Star Wars. Bah j'aime bien, mais surtout en fait ce que j'apprécie c'est que genre c'est réaliste dans le sens où tout est fonctionnel, tout a une raison d'être, tu vois. C'est pas c'est pas du skin, tu vois. On va sortir du vaisseau. Ah oui, non, clairement quoi. Il y a un Karak en hangar 14 d'un viewer si tu vas les visiter. Allez. Après on va. Bon, il faudra qu'on aille faire des missions. Hein. Oui, mais oui. On va aller visiter. Là, on va en gare 14. On peut aller en gare 14 si tu veux, le Karak. Ouais, le Karak. C'est un gros que truc, okay. Le 14, il est juste à côté en plus, on est au 13. Donc. Ouais. Il y a Karak, le Hammerhead, il est en claim. En Karak, c'est un gros morceau déjà. Après, il est assez connu le Karak, t'as déjà dû le voir. Oui, c'est probable. Alors. 14. C'est le Théus, je te laisse te mettre devant ton vaisseau que je puisse t'inviter. Sinon on peut pas. Ah, sinon on peut pas rentrer dans son vaisseau si on n'est pas. Ouais. Tu es où? Ah bon. Le Karak. Alors le Karak est moins fonctionnel dans son gameplay. Il a l'air d'être plus vénère au niveau de la bagarre là. Alors dans le lore, c'est une ancienne frégate qui a été reconvertie au civil.
Mais c'est un vaisseau d'exploration et d'expédition à la base. Là, il y a un skin pour les couleurs, non? Oui, là, il a dû mettre un skin, ouais. Ouah, c'est trop stylé, putain. Et faut savoir que ça, c'est un vaisseau d'expédition. Là, ce que tu vois, là, c'est des modules de cargo dans la coque. Après, plus tard, on pourra le customiser bientôt. Bonjour. Vas-y, merci. Invité dans le groupe. Tac. Et du coup... Là-dedans, en fait, c'est un vaisseau. En gros, globalement, c'est une maison volante parce que dedans, t'as tout quoi pour vivre en autarcie quand tu pars en expédition. Ok. Pour l'instant, le gameplay exploration, c'est pas le gameplay le plus. Il est pas vraiment là le gameplay exploration. Ouais, parce c'est qu'il pas y a le vaisseau le plus utile pour l'instant. Tu peux te faire du cargo avec, tu vois, là, c'est des espaces cargo. Wow. Tu peux même mettre un véhicule, non? Alors, c'est le problème de Skarak, c'est que pour l'instant, il est pas encore à jour par rapport aux fonctionnalités du jeu. Ok. Ah oui, on d'accord. On peut pas oui. l'ouvrir. Donc le cargo il spawn dedans, mais ça va pas tarder à changer parce que là bientôt avec la prochaine mise à jour on aura plus le choix etc. Donc par exemple là en piraterie, moi qui fais un peu de piraterie tu vois, le carac il nous casse les couilles parce que le cargo qu'il y a dedans qu'il est physicalisé pardon, quand on capture un carac on peut pas choper le cargo qui est dedans sans le détruire en fait. Ouais ok. C'est très chiant. Mais bon c'est un détail. Je sais pas ce que je fais là. Allez. Ah tu t'es... Ah bon bah je te laisse là hein. Bah ouais ça marche. Et ça sert à quoi en ça vitrine. Ah c'est une vitrine pour ça, armure, tu mets un mannequin. Ça c'est une vitrine pour armure, ouais. Ah oui. Pas une vitrine pour et genre. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah c'était dans l'étage du bas, ça s'en accès à une tourelle du la tourelle du dessous ici je crois. Ouais c'est ça, t'as accès à la tourelle de défense inférieure. Et puis bah là t'as l'ascenseur, je vois que t'es déjà... Non, t'es pas dedans. Merci Twitch pour la mise en avant, merci infiniment. Normalement ça beaucoup. Marche là, ça marchait pas merci hier pour soir. C'est la mise en avant avec l'interview avec, dans le Kerak, avec Elena Rangel. Ouais t'as des racks d'armes et tout. Merci beaucoup. Toi t'es où là? Ah là il y a une tourelle et... Je suis désolé, je... Ah oui en oui plus oui, je suis full TDAH donc tu me parles et non, j'écoute mais en même temps je fais d'autres trucs. T'es là pour ça, kiff kiff. Tu vois mais là je voulais te montrer ça, les petits racks d'armes. C'est pour ranger les armes, ici. C'est des trucs, c'est con mais tu peux très bien, bon là on peut pas, on est en armistice zone, on peut pas sortir nos armes mais plus tard, plus le jeu avancé, plus on aura besoin de ces racks d'armes pour prendre du stuff avec nous quoi. Ok. Vas-y, ah oui d'accord, y a tu vois il y a 4 étages wesh. Ah oui. Ouais, tu vois c'est... c'est le Normandie. Ça, ouais, c'est un peu le même genre de vaisseau, c'est un vaisseau d'expédition et d'exploration donc voilà. Il est un peu armé mais c'est pas son point fort en vrai. Vas-y je... Attends, j'allais... Ouais, vas-y. Pour l'habitation. Hop. Là, on était au subdeck. On était tout en bas, ouais. Putain, déjà, il y a un vaisseau avec 4 étages. Mais en fait, ce qui est cool avec ce vaisseau, c'est qu'il a plein de fonctions différentes. Par exemple, là, je vais te montrer. Il a une infirmerie, en fait. Attends, j'ai fait F2 pour le voir en 3D, là. Wow. Ah oui, tu peux, ouais. Effectivement. Il est beaucoup plus grand que l'autre, non? Il est un peu plus grand, ouais. Seulement un peu, pourtant là il y a 4 étages et tout. Hein. Bah, tu vois, bah, typiquement sur l'autre il y a plus de cargo et plus de place de stockage oui, que dans vrai. Celui-là. Mais c'est vrai que tu peux mettre 2 véhicules oui. dans l'autre. Ouais, ouais, celui-là il est plus grand, oui. Il y a une baie médicale. Et il y a une baie médicale, et ce qui est du coup très pratique, c'est que tu peux te baser dedans pour respawn bah oui. dedans si tu meurs. Ouais, si tu meurs. Alors, tu je t'invite à pas le faire maintenant, évidemment, mais. Voilà, et tu peux même faire des scanners. Et tu peux te soigner et tout, si t'as des systèmes médicaux, si tu te fais des blessures et tout, tu peux te soigner là-dedans. Donc ça c'est assez pratique. Juste le jeu et vie, après t'as les quartiers d'habitation, bah, pour l'instant c'est surtout du cosmétique. Mais bon plus tard quand tu partiras en expédition 3 semaines avec ce vaisseau, tu seras content de les avoir. Y'a pas derrière moi, y'a un mec. Et Exceptus qui nous regarde. Il nous lule un peu là de sa place. Il est dans le jugement ouais. Il est dans le jugement un petit peu, en même temps ouais. Bon. Ah. Là c'est la salle du capitaine. Ouais. Yeah. Bon, voilà, c'est du cosmétique pour l'instant. Oui. Et, bah, attends, on pourra s'asseoir au bureau, signer des papiers et tout, c'est incroyable. Ah, bah, pour le RP par exemple, très bon vaisseau. Oui, genre, tu convoques tes. Oh, il y a 3 sièges ici. Ouais. Oh là là. Et donc, t'as le siège du pilote au centre qui te donne une visibilité de ouf. Et encore, t'as pas tout vu, parce que t'as la copilote, double fois copilote. Et si tu viens voir ici, on peut monter, il y a un petit ascenseur. Qui monte au pont supérieur pour les officiers. Donc là théoriquement un vaisseau comme ça c'est opti à partir de combien de joueurs et de joueuses dedans? Alors celui-là spécifiquement c'est compliqué de dire parce qu'il n'y a pas encore le gameplay d'exploration et il y aura un gameplay de cartographie, il y aura un gameplay d'ingénierie qui est pas encore là mais qui t'as vu je t'ai montré un petit extrait de genre à terme ouais faut, pour le full opti il faut être 30 quoi. Alors celui-là non pas alors peut-être pas 30, il faudrait être 16, 7, 8, un truc comme ça. Ok. Là,
En comptant les techniciens? Ouais, ça va dépendre. Après, encore une fois, il faut... Voilà, je te dis de tête, c'est un peu compliqué de définir ce vaisseau. Il faut un pilote, allez, deux, trois copilotes. Si possible, des gunners. Donc, t'en prends... tu prends trois personnes. Ouais, ça fait 6, 7. L'ingénieur. Ça dépend, en fait, de ce que tu fais. J'imagine. C'est très compliqué de dire pour ce vaisseau-là spécifique. Mais ce que je veux dire, du coup, c'est que, genre, c'est pas pay to win, dans le sens où être tout seul et acheter un vaisseau comme ça, tu gagneras pas forcément face à un chasseur, quoi. Bah déjà, pay to win quoi? Non, parce que tu sais, souvent il y a la tech, genre si j'achète un gros vaisseau bien cher, je vais niquer tout le monde, alors qu'en fait, pas du tout quoi. Alors, pas du tout. Non, vraiment, ça c'est une idée préconçue, effectivement. Puisque le gros vaisseau comme celui-là, il va pas t'apporter grand chose si tu sais pas l'utiliser ou si tout simplement. Oui, parce qu'un chasseur d'un mec qui sait piloter, qui se retrouve face à un type qui est tout seul dans ce genre de vaisseau, il l'éclate même s'il est tout petit, quoi. Ah bah le truc, c'est que même un énorme vaisseau de combat, ça arrive tous les jours que j'en croise dans le verse, hein, parce que les gens se rendent pas compte, mais un gros vaisseau de combat solo, c'est gros, une grosse pinata géante, en fait. Ouais, tu sers à rien. Tu sers à rien. Mais c'est quoi l'espèce de... tu peux mettre un vaisseau et le décoller d'ici, là? T'es au hangar, déjà. Oui, ouais, alors c'est un mini-pad. Extraordinaire. Tu peux mettre dedans le Pisces, c'est un tout petit vaisseau qui rentre dedans une navette. En gros, tu peux mettre des petits vaisseaux là-dedans. C'est en mode de porte-avions. Je t'ouvre la porte. Si tu regardes par la fenêtre, normalement, ça s'ouvre par le dessus, tu vois. Oh là là, c'est en mode porte-avions, c'est trop stylé. Ouais, c'est 4 à 8 pour le Kerak de Crow, ouais. Ce qu'on me dit. Oui, c'est dans ces eaux-là, quoi. Après, encore une fois, tout dépend de ce que tu veux faire. Et puis, t'as la salle des machines aussi qui est par là. Attends, viens, suis-moi. Là, tu vas kiffer. Salle des machines, normalement, c'est par là, ouais. Alors, pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Vraiment mais immense, celui-ci. Ouais, il est stylé, le Kerak. Soon, il faudra venir ici pour faire l'ingénierie, quoi. Bah ouais. C'est-à-dire que là, tu répares tous tes composants, tes moteurs et tout. Oh, c'est trop à la mano, quoi. En plus, il y a le feu qui arrive aussi. Ouais, il y a le feu, exact. Il y a le feu qui arrive, il faudra tout... De toute façon, 4.0, il y aura toute la gestion multicrew qui sera hyper importante. J'ai l'impression de me balader dans le Normandie là. Ouais, bah il a ce côté là un peu. Ouais, il a vraiment un côté très humanoïde, enfin tu sais, dans l'idée qu'on se fait de la SF humaine quoi. Oui. Bah c'est un vaisseau. C'est un vaisseau Unville le... Attends, c'est un vaisseau Unville de la marque Unville. Et c'est un vaisseau. C'est la marque Unville font des vaisseaux qui sont très Star Warsiens en fait, ouais. Mais à la genre. Genre humanoïde quoi. Ouais. Ouais, les échelles sont buggées. Ouais, ouais, les échelles, c'est toujours une longue histoire. Tu t'excuseras auprès de ton viewer parce que j'ai tout laissé ouvert, hein. J'ai rien fermé derrière. C'est honteux. J'ai ouvert tous les placards. Il va devoir tout fermer derrière. Ouais, désolé. Ça lui fera un petit gameplay, voilà. De toute façon, il y aura des vaisseaux encore plus gros à découvrir bientôt. Attends, vas-y, on va reprendre l'ascenseur. C'est là. Hop. Et. Cartographie, on a vu. Non. Ah, c'était pas cartographie avec la planète en hologramme? Non. Ça, c'est vraiment le dog de cartographie. C'est. Alors, il a pas son gameplay. Comme je t'ai dit, ce vaisseau-là, il a pas vraiment son gameplay encore. C'est pas vraiment le vaisseau le plus fonctionnel. Mais plus tard. T'es où? Pardon, j'avais mon chat, du coup je t'écoutais avec mon chat. Ah pardon, excuse-moi, je te vois dans l'ascenseur, c'est pour ça. T'inquiète. je t'ai abandonné dans l'ascenseur. La petite... Oui, j'ai vu que t'avais un chat aussi, team chat ici aussi. Bah bien sûr. C'est incroyable, c'est vrai. Donc là, la cartographie, c'est la même carte que j'ai sur ma MobiGlass? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est juste du cosmétique. Okay. Mais c'est censé... En fait, en gros, ils sont censés adapter un équivalent de ce qu'on a dans la MobiGlass en version géante ici. Okay. Pour faire de la cartographie, pour spotter des trous de verre, pour spotter des oui, pour qu'on soit genre tous autour du truc et qu'on se dise, vas-y, on va là, on fait exact. Exact. Alors, comme je t'ai dit, ce vaisseau, encore une fois, il n'est pas 100% fonctionnel. Je pense qu'ils vont devoir le mettre à jour, un de ces quatre, avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Mais ça donne une idée, quand même, déjà, du délire. Hein. C'est pas le vaisseau que je présente en général aux débutants parce que comme j'ai dit, il y a pas les gameplays liés encore. Ouais, j'aime bien projeter, je me projette. Là. Oui, ouais, mais c'est bien aussi. Ouais. Ça dépend du débutant. Oui, t'as pas besoin de me convaincre que le jeu est bien en fait, donc du coup on gagne du temps. Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est bon, t'es déjà un adepte. Je suis déjà conquis moi.
Comment ça se fait que t'as attendu si longtemps pour le prendre du coup? Parce que j'ai envie de jouer au jeu. Alors j'ai été tenté à de nombreuses reprises. Ouais. Quand il y a eu des grosses mages et tout, mais en fait genre je me disais dans ma tête, plus j'attends, meilleur ce sera, tu vois. Oui. Du coup je me faisais violence, puis là il y a eu la dernière CitizenCon qui m'a hypé comme jamais. Oui, c'est vrai que la dernière elle était folle et la prochaine encore plus. Ouais, il y a ça, puis il y a eu le fait que Squadron arrive d'ici un an et demi, deux ans. Merci Celtelius pour la visite. Ouais, merci beaucoup, c'était cool. Et oui, c'est clair. Après, il y a beaucoup de gens qui attendent. Et au final, moi je suis de l'école, il faut y aller quoi. Enfin, oui. C'est un jeu qui évolue tellement, de toute façon, tu peux y aller tous les 3 mois, tu viens découvrir des nouveaux trucs, de toute façon. Et en vrai, tu vois, je suis. Mine de rien, vu que ça fait 10 ans que je suis le truc, je suis content d'avoir mis 40 balles pour en mode Kickstarter, tu vois. Ouais. Oui, ça va. Ok, bon. Tu veux visiter un dernier ou tu vas aller faire une mission là? Ouais, je suis chaud du gameplay. Chaud du gameplay, let's go. Comme ça, on vole et tout là. Je serai là à 20h. Donc là, qui est juste une vitrine, je le sors que pour ça. Le reste du temps, je sors le Pisces. Voilà, exactement. Bah, t'as tout résumé. C'est un peu pour l'instant le cas. Bon, après, il y a des utilités à Skarak, mais. Ok. Bon, on va pas visiter tous les vaisseaux du game si on en a pour la soirée. Du coup, je vais reprendre mon Vanguard et puis on va aller faire des missions. Il est où? Et c'est pour ça que je prends le Vanguard pour nous deux, parce que c'est le plus adapté. Parfait. Il est là. Il y a des émotes en jeu, des trucs pour discuter avec les gens sans discuter? Il y a des... oui, il y a des émotes, oui, bien sûr. Ouais, il y a plein d'émotes en vrai. Comme, alors attends, je vais juste inviter 2-3 personnes qui nous suivent au cas où. Et j'arrive. Vas-y. Un groupe. Il a claim déjà? Ouais, il est déjà. Tu peux déjà y aller d'ailleurs. Il est en gare combien, j'ai dit? Attends. Il est où ce con? En gare 3. En gare 3? Ouais. Les ascenseurs sont pas physicalisés, hein, c'est des. Genre là, on se déplace pas réellement avec un ascenseur vers un étage précis? Alors si, techniquement oui, après il triche un peu dans le sens où l'ascenseur il va en ligne droite vers la destination. Oui voilà, je suis dans une espèce... Il devient visible de l'extérieur et... Dans une espèce de d'instance quasiment dans le hangar, non? Non, oui, même pas. Alors bientôt oui, les hangars instanciers arriveront en... prochain patch, mais... Je crois qu'ils voulaient faire des appartements instanciés aussi pour que tout le monde en ait le sien. Voilà, la première étape arrive justement sur le 3.23.2 avec les hangars instanciés quoi. Tu pilotes? Ouais, peut-être pour le début ce sera plus safe. Vas-y. Je te ferai piloter à la fin si tu veux. Ouais, comme ça si on se crash. Tu te mettras tout nu et tu iras piloter. Vas-y. Ah, c'est ce que je fais en général. Tu peux prendre la tourelle. Ouais, je vais à la tourelle. Je vais chercher une mission. C'est fou que même en étant en home, on a eu zéro dégénéré. Quand même incroyable. Alors, ouais, donc, tu vois comment fonctionnent les missions. Faut que t'ailles dans ton contrat, dans ton Mobiglas. Ok, contract. Mobiglas et dans... Et ouais, contrat, et dedans là t'as toute la liste des contrats. Alors je vais prendre moi, je te le partagerai. Hein. Ok, tu le prends mais... et tu vas pouvoir me l'envoyer, j'aurai le même. C'est ça. Ouais, mais si jamais voilà tu veux jouer, c'est là que ça se passe. Et t'as plein de missions et tu peux cocher le truc légal ou illégal en haut. Et alors moi je peux créer un contrat pour les joueurs? Tu peux créer... Imaginons, je sais pas, oui, c'est assez anecdotique pour l'instant, okay. Ça, mais... c'est surtout... là on va faire du PVE là. Ok. On va pas se lancer dans du
PVPI. Par contre, j'essaie de trouver une mission intéressante. Pas sur Hearthstone. Attends, mais on est où là? Non, on est au-dessus de New Babbage. Pourquoi il me propose des missions pour Hearthstone? Attends. Merde. C'est que ça hein? Ouais, non, je sais que je suis sur illégal, mais. Donc ça c'est du câlin ça hein. Ça c'est du câlin, pourquoi Koff est fait par rapport à Trump? Non, par rapport à la jument. Il y a une jument qui concourait dans les années 2010. Il s'appelait Koff est fait. J'étais fan de cette jument. Non, je suis en train de discuter avec mon chat sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va te faire faire. On est en train de... Vas-y t'inquiète, pas de soucis. Les bras il veut m'envoyer sur une autre planète et c'est pas normal déjà. Bon, on va déjà décoller, je vais prendre de la distance. Puis on va voir s'il y a une autre mission qui pop. Là, tu passes systématiquement au TAS ou... Ouais. Ok. Bon, de toute façon, j'ai tout mon matos qui est déjà monté sur mon tour devant moi, donc... Voilà. Des collègues à toi, ça. Ah oui, on avait dit que tu voulais faire du combat en vaisseau aussi. Je sais pas, il y a des joueurs. Je vais tout simplement foncer de toute façon et on va éviter le PVP pour l'instant. Thibaut. On va essayer de faire des missions combat effectivement. Tac. Tout là. On voit déjà plus la station. Tac, je me mets là en stand-by et je vais chercher une mission. Comme ça tu peux regarder le paysage. Ouais, je regarde bien là. Donc là genre... Attends, je vais... on avance là ou pas? Là on avance, ouais. Ah dommage. Je voulais sortir. Sortir? Ah oui, non. Ah, si tu veux, je peux m'arrêter si t'as envie. Vas-y, grave. Tu veux sortir en OVA? Vas-y. Attends, je m'arrête. On est pas en atmo, ça va, tu peux y aller. Ouais. Enfin, je te dis quand tu peux y aller. Le bouclier. Hop. Vas-y, tu peux sortir si tu veux. Fais-toi plaisir. Je vais me faire plaisir. En plus, je crois qu'ils ont, refait là. Oui, ils ont refait l'OVA en plus. Mais oublie pas ton casque. Ouais, je pense que je vais. Ils ont refait l'OVA et elle est particulièrement agréable par rapport à avant. Et là tu vois pour être tranquille j'ai Quantum Cut ce qu'on dit entre deux points de saut, ce qui veut dire qu'on est un peu on est au milieu de nulle part en gros. C'est tellement stylé. Ah y'a pas de son du coup, bah oui je suis bête. Enfin y'a pas de son, on entend rien quoi. Bah, normalement si, mais bah, t'entends des trucs quoi. Bon, j'entends pas grand chose là. Ah ouais? Tu sais quoi, je vais en prendre une au pif. On va... T'es en illégal, c'est normal que je sois en illégal. C'est son illégal ces missions. C'est sur Hearthstone, c'est bien sur Hearthstone, c'est un bug visuel. C'est un bug de trad. À l'aide. Oh. Il faut signaler ça. Putain, c'est vrai que c'est... plutôt propre ce qu'ils ont fait pour la navigation. Ouais, c'est pas fini en plus, c'est quoi qui vient de passer très vite là oh. C'est Philippe, ok. Philippe, si tu nous rames. Ok. Alors, du coup, contrat. Cricket. On est presque bon. Ah oui. Je peux prendre le contrôle. Ok, je l'ai. C'est là, il y a un problème de trad. Il faut que je le screen.
Tac, et on va y aller, je vais te partager l'émission. Je peux rentrer dans le vaisseau. Dans l'espace, par contre. Ah, parce que c'est une degré, ça, je me sens un peu insulté. Et des fois, quand je spot des trucs. C'est quand même le niveau 0 de la connaissance de l'espace, quoi. Pour les signaler. Si je tire sur le pare-brise, il se passe quelque chose ? Tu vas perdre des munitions. Okay. En vrai, si tu fais des petits dégâts, mais pas beaucoup du coup forcément. Je vais te partager les missions là. Je t'en partage deux. Donc une première maintenant et une seconde. Et avec ça, non, il faut que tu acceptes avec la même touche que pour accepter une invite. Est-ce que c'est bon pour toi, hein ? C'est bon pour moi, j'accepte là. T'as les deux missions dans accepter ? Alors pendings, contracts. Offers. Attends. J'ai appuyé sur le bouton qui s'affichait sur ma MobiGlass quand ça s'est affiché, mais je sais pas si ça l'a pris en compte. Parce que je vois rien dans Accepted. Normalement. Attends, je vais vérifier. Peut-être que je te le renvoie. Peut-être que ça a bugué, normalement pas. J'ai pas un. C'est le bouton juste à droite. Attends, je te repartage. Vas-y, réaccepte les deux. Pour vérifier. Ah ouais, des fois, okay. Ça prend un peu de temps. C'est bon, ça a accepté. C'est bon, ok. T'as les deux major dysfunctionment et puis in smoke, truc comme ça. J'ai les deux. Ok, let's go. Bon bah c'est parti. Alors ça c'est mission FPS au sol. Mais c'est dans les nouveaux bookers, tu vas voir, c'est stylé. Ah. C'est un peu hardcore, hein, mais ça devrait aller. Tu t'en sors, c'est bon? Ouais, tout va bien. T'es dans le vaisseau, hein, rassure-moi. Ouais, j'ai failli sortir du vaisseau, mais tout va bien. Ok, d'accord, ok. J'ai eu peur. Dac. Ah! Donc là, on a différents types de missions. Ce que je te propose. T'as laquelle en suivi? C'est écrit quoi en haut à droite de toi? Major Malfunction. Ok, essaye de suivre l'autre. Tu vas dans tes missions, dans accepter. Tu prends enfumé et tu mets. In smoke, j'imagine, et tu mets suivre. Enfin, en anglais quoi. Oui, t'inquiète. Voilà, toujours. Aucun souci. Et normalement, c'est détruire des stockages de gaz liquide, donc c'est. Truc de destruction de gros bâtiments, enfin de grosses citernes. Et si t'es en tourelle, on va essayer de te les faire détruire. Alors, je vais voir si t'arrives à le. Normalement, quand on va s'approcher, t'auras des signaux. Ah, en plus, c'est l'heure de la Golden Shower là, trop bien. Ah, la Golden Shower, toi aussi tu connais. Je sais pas si j'ai les trucs volumétriques. Alors attends, options graphiques. Normalement, ouais, mais. Ils ont un petit. On dirait qu'ils granulent. Ils granulent un peu ouais. Peut-être mêlé en height. Ils sont déjà en high, je vais mettre en very high peut-être. Ah, very high, ouais. Juste en dessous de mode photo, quoi, en gros. Ok, j'ai Philippe en cutlass derrière nous qui nous suit. Ok, et là, normalement, t'as plein de petits points jaunes qui vont pop. Alors, bon, là, tu vas voir en direct les défauts de la nouvelle interface qui vont probablement corriger assez vite. Mais. Oui, c'est beaucoup. Exemple. Concret de problèmes d'interface. Ah, c'est la petite base qu'on voit là-bas là ? Devant nous là. Je sais pas si tu la vois. Ouais, je la vois. Je la vois. Petite, je suis pas sûr. Je tire ou pas ? Alors attends, deux secondes. Tu vois les points jaunes ? Normalement, t'as plein de points jaunes. Ouais. Et chaque point jaune désigne une sorte de grosse citerne qu'il faudra que tu canardes. Elles sont pas targetables, donc t'as juste à les viser, Passe en gyromode, appuie sur G. Et ça va te permettre d'être stabilisé. Ça va te permettre d'être stabilisé avec la tourelle. Bah, et il faut que t'appuies. Il faut que t'allumes la tourelle avant. Attends, avant de m'approcher. Ah oui, il faut que je l'allume. On est d'accord. Oui, il se passe un truc. Ouais, là, elle est pas allumée. Ouais. Faut que t'allumes avec la touche. Alors c'est une interaction sur le cockpit. C'est U. Apparemment, on me dit. U. Ouais, c'est possible. En vrai, les raccourcis de base, je les connais pas tous par cœur parce que vu que je suis au joystick. Ah non, sinon je peux presser F et power on. Oui, aussi, ça marche. Ah, ça y est, je peux tourner et tout. Et ah. Tu peux tourner normalement. Tu peux même gérer la sensibilité de ta tourelle normalement avec la touche. Parfait, je suis très à l'aise là. T'es bien là ? Et bah, tu vois les grosses citernes qui en dessous des points jaunes là, il faut que tu les asmates.
Et normalement elles vont péter. Vas-y, essaye hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc là pour l'instant ça pète. On a pas de... Ça pète, c'est bon, c'est nickel, ouais, tu peux les faire. Fais-toi plaisir. Pour l'instant on nous tire pas dessus encore. On va nous tirer dessus après. Je demande à voir. Je sais pas ce bunker s'il est hostile ou pas. Pour l'instant il nous tire pas dessus, donc on va continuer de faire ça. Ça, il faut savoir qu'on peut le faire depuis le sol avec des véhicules terrestres ou des armes FPS même. Ouais, ou posant des C4 ou des trucs comme ça, j'imagine. Ouais, alors il n'y a pas de C4, mais oui, dans l'idée, ouais. Et bon, là, c'est plus simple en vaisseau, du coup. Ça passe nickel. Hein. Ouais, c'est 20 000 AUC chouette, gratos, quoi. Oh, ouais, et là, ouais. Par exemple, en termes de carburant et de munitions, on rentre dans nos frais ou pas? Là, oui, clairement, ça. Pour cette mission-là, oui. Après, la prochaine qu'on va faire, qui est sur le même spot, mais à l'intérieur, là, il va falloir aller se bouger le cul en FPS. Mais j'imagine surtout qu'il y a des missions où, genre, si tu meurs, bah ça y est, elle est plus worse en fait. Oui, ça peut être assez punitif. Ça peut être assez punitif. On va se poser sur. Sur le pad au-dessus là. Ok, on a fini la mission là, tu vois. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là-dessus. On reçoit la thune là ? Ouais, normalement, on a reçu 20 000 balles. On se fait pas tirer dessus, pour l'instant, c'est un miracle. Ok. Là, on peut sortir normalement. Et on va traquer l'autre mission. Dès qu'on est dehors, on traquera l'autre mission. Je suis qui est au même endroit, c'est ça? Qui est au même endroit, sur le même spot, je crois. Faut que je check. Ouais, elle est un peu chiante l'interaction sur ce vaisseau. Où elle est? Je suis très à l'aise là. Bah, vas-y, je vais traquer la mission, on va voir ce qu'elle nous dit. Je trouve là. Ah, pourquoi il est si lent mon perso là? Il. Le vent. Ah, c'est venteux. Moins c'est venteux. Moins 23 degrés. Ouais, c'est un. Il fait pas chaud. Voilà. Ah, ça, c'est destruction de serveur, ok. Alors, je sais pas si on s'est posé au bon endroit du coup. Attends, viens, on va redécoller, on va se poser. Parce que là, on est à l'opposé du spot. Ok. C'est très grand. Après, on peut visiter en vrai. Bon, je sais pas si on va se faire attaquer. En vrai, j'ai envie de te faire visiter. On va essayer. Et on va pas flinguer les PNJ tout de suite, on va voir s'ils nous attaquent. Normalement, pas, mais. Oui. Moi je suis pas remonté dans le vaisseau. Ouais, ok. T'as mis quoi en FOV toi? Je dois être à 100 ou 110. 110 je crois. Fais gaffe au PNJ. Ouais, ils asmatent là. T'as le vent au secours. Ouais, vas-y, on va prendre le vaisseau, on va faire le tour, ça va. Si on doit traverser tout le complexe à pied, on va se prendre une armée sur la gueule. Encore changer d'outfit. Overkill. Moi? Ouais. Ah non non, ah non, ah non c'était la neige. Ah ouais. C'est la neige. Oui, oh, c'est pas encore très bien fait ça, ils doivent le refaire aussi. Trop stylé. Ouais, c'est trop stylé. Oui, c'est de la merde, ils doivent le refaire. Trop bien. J'aime trop. Ok. Vas-y. Moi je suis un kiffeur de jeux vidéo moi. Ah bah t'as raison. Non, puis en vrai moi je vois tous les petits trucs qu'il faut qu'ils changent, je le connais par cœur forcément. En fait je sais pertinemment que c'est une alpha d'alpha, donc enfin je suis en mode ok tu vois genre. Oui, moi je vois la promesse, je vois ce qui est déjà fait, j'imagine ce qui peut être encore fait et je suis en mode what the fuck les amis tu vois. Ouais c'est bien. C'est bien, tout le monde n'a pas cette ce réflexe. Le carburant du vaisseau, qu'est-ce que j'ai fait? On nous a siphonné le siphon. On est déjà arrivé? Oui. J'ai même pas senti mec qu'on avait décollé et tout. Ah oui, on a juste traversé le complexe. Alors là, je vais me la mettre là. Alors là, fais gaffe par contre. Viens d'ailleurs, suis-moi. Ok, vas-y. On va passer par le côté latéral là parce que là, les PNJ, s'ils commencent à tirer, on va se faire démonter la gueule. Donc on va être prudent. Alors, ah oui, avant tout, si jamais, pour les binds. Ouais. Normalement, alors je sais pas comment les. Alors moi je joue spécialement, c'est à dire que j'ai ma touche. Tu laisses enfoncer la touche. Alors c'est 2 de base maintenant. Ouais. Et t'as accès à la roue d'action et devant t'as le medgun et le multi-tool. Le multi-tool qui celle dont c'est un rayon tracteur, tu sais, ça sert pour transporter les trucs. Et surtout le medgun qui est très pratique pour se soigner et soigner les potes. Quand t'as le medgun en main, tu appuies sur B pour te viser toi-même. Et là tu peux te soigner. Et pour se mettre un medpen. Oh, attendez, je cherche la touche de base. C'est quoi la touche de base du medpen? Oh là là, moi j'ai tout qui est paramétré différemment. Je crois que je m'en suis mis un tout à l'heure sans faire exprès.
C'est Quatre. Non, on va pas se bloquer dans un cutlass là. 4, ouais. C'est 4, on dit. Ouais, c'est 4. Moi, ça fait rien le 4, étrangement. Attends, mais j'en ai pas équipé en fait. Oh le con, j'ai oublié d'en prendre. Bon, c'est pas grave. T'en veux ? J'en ai plein, hein. T'en as... Ouais, c'est pas grave, de toute façon, ça se loot en plus. Ok, bon, là, on va prendre l'échelle. Attention, on arrive en haut. Le pistolet médical, il y a pas mal de trucs à savoir dessus, mais on, pour l'instant, on va l'utiliser basique. Si on a besoin, on verra au fur et à mesure. Tout va bien. C'est trop beau. T'inquiète pas si ton perso fait un salto. Oula, en arrivant en haut, trois fois. Il a l'air bien cette échelle. Les échelles sont mystiques, tu vois, c'est pas cherché. Vas-y. T'es en haut là ? Je suis en train. T'es où ? Non, j'ai pas osé monter en même temps que toi, j'ai eu peur des bugs et tout. Oui, t'as raison, t'as raison. Dommage. Ah ! Dommage. Ouais, il faut insister. Ouais, ouais, j'insiste. Ça va aller, ça va aller. Bon. Les serveurs sont un peu à genoux en ce moment, là. On attend le patch. Ok. Allez, vas-y, je te laisse monsieur. Alors là, c'est une mission de destruction de serveur. Il faut faire le tour. Alors normalement, il y a des PNJ qui les protègent. Enfin, c'est par où ? C'est par là. On peut passer là ? Non ? Non ? Ok, je pensais. On va faire le tour. C'est par là, alors attention. Est-ce qu'on voit du monde ? Si tu vois des mecs. Je tire. Tu tires, ouais. Alors là, je vois personne pour l'instant, mais c'est un peu trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, j'ai du lag, mais anyway, ils en auront plus que moi, Lian, non ? Non, méfie-toi. Ah ouais, d'ailleurs, okay. T'éloignes pas trop, je vais déjà désinguer ce serveur là. Non, les IA, elles sont vénères. Surtout que... là, sur le dernier patch, ils les ont optis pour des serveurs à 15 images secondes. Ok. Parce que de base, elles étaient optis pour du 30 secondes. J'ai plus la quête, mec. Oula, ça y est, je me suis fait tirer dessus. T'as plus la quête ? Bah ouais, je sais pas, je l'ai plus dans... J'ai que celle qu'on a completed. Ah, il faut suivre. Tu l'as suivi ou pas celle-ci ? T'en suis désingué la gueule. Ah, Unpeed Smoke, je l'avais déjà... Ah non, parce qu'attends, elle est dans validé. Oui, en fait, c'est my bad. Va chercher la quête, normalement tu l'as toujours. Oui, non, c'est moi, j'ai fait de la merde. Alors là, il y a des PNJ qui nous. Ils sont où ? Je vois pas d'où viennent les tirs, par exemple. Ah, et ça vient de là-haut ? Ah, ça vient de là-haut ? Oh, les chiens. Je crois que ça vient de la tour en face, là. Méga vénère, les PNJ. Tu vois, là, ils nous snipent de l'autre bout de la. De ah oui, en face, ouais, c'est bon, je l'ai eu. J'allais le tuer. T'inquiète, t'en auras d'autres. T'en auras d'autres. Là, il faut qu'on aille en face, ça va être temps d'axe. Fais gaffe en montant, on va se faire très certainement. Asmat, on va voir. Tu me suis là, c'est bon. Ouais, attends, je suis en train de viser un que mais. T'en vois ? Ouais. Le ping ? Non. Non, bonne remarque, non. Ce serait pas mal. Allo Robert, okay. On peut ping. Le ping aussi. Hop là, j'en ai fumé un là. Allez, j'ai. Ah, il allait te niquer en plus, mec. Loot. En fait, tu peux les loot. Ah, il était sur toi là. Oula. Ah, il était là, ok, d'accord. Ah, bien joué. Ah, tu peux le looter si tu veux. Open inventory. Il y a des trucs dedans. Oula, il en a des choses. Ouais, après, c'est pas toujours très utile, mais des fois, il y a des trucs, quoi. Il a du med pack, quoi. Si je te les laisse si tu veux. J'ai pris la grue. Ah ouais, t'as bien fait. Ouais. Bah des fois les genre ouais les medpen là, les munitions. Je crois qu'ils ont les mêmes munitions que toi. Ah non, pas du tout. Mais des fois ça peut être utile. Hein. Tac. Alors attention, il y en a un qui est. Moi ouais, j'allais te demander quand j'ai rechargé, c'est. Bien ouais, genre. La recharge, elle est genre elle fume un chargeur, donc il vaut mieux tout dépenser. Alors si ton chargeur est pas vide, ça va remettre balles, le chargeur à moitié vide dans ton inventaire, okay. Et ça va en mettre un neuf à la place. C'est pas très optique, quoi. Alors le mieux c'est de terminer les chargeurs, après maintenant il y a une option pour stacker les balles dans les chargeurs, sauf qu'il y a un bug de son dessus, donc je te conseille pas d'utiliser là, jusqu'à... ils doivent le corriger très vite, mais c'est... Non, je suis sur les serveurs. Ouais, vas-y, y a un mec là-bas, je crois. Attends, je teste ma greu. Ah ouais, tu peux, ouais.
Vas-y, essaye. Je te foire pas. Je l'ai pas du tout lancé comme je le voulais. Elle est où? Elle est sur le sol. Gaze. Ah, ok. T'as fait peur à un PNJ. T'es content? Je contourne. Je crois qu'il y a des mecs en bas là. Tu tires sur quoi là? Des queumés. Il y a des... Ah oui, là-bas en face. Ouais. Très bien. Attends, je suis juste en dessous de toi. Là y'a un mec. D'accord. Ouais, j'ai pas de balle là-dessus. Ouais. Là tu t'en sors bien. Oh, j'ai trop le seum. J'ai pas de balle en fait sur mon pistolet. Et t'as plus de balle sur le flingue? Ah oui, il fallait prendre des munitions peut-être pour le flingue. Je vais en acheter. Je te rejoindre. Ah ok. Ouais, oh, bah, tu peux en looter aussi, mais t'es où? Derrière toi, c'est... y'a pas un mec là? Non. Moi je l'ai tué. J'ai tué le mec qui montait. Tu l'as tué, ok. Ouais. Bon, les... Oh putain. Si, si. J'entends des tirs. Ah, ça vient de là. Ok, je l'ai eu. Vas-y, donc là je vais me soigner. Ça va tes points de vie, t'es à combien là? Je suis à 89. Ok, je vais te soigner. Je me soigne avant. Hop. J'en arrive. Moi, tu vois, je peux te soigner avec le med gun, bouge plus. Ah. Hop là. Petite dose. Putain, vraiment, quand c'est le bon jeu il tourne, je lui mets 3000 heures là, vraiment. Ah non, mais le jeu il tourne déjà. Non, mais en vrai, c'est ça que je dis toujours avec SC, c'est que oui, des fois tu te prends des soirées entières, tu te prends des bugs dans la gueule, t'as envie de lui chier dessus. Mais en fait, tu y retournes toujours pour les moments où ça se passe bien en fait. Parce que quand ça se passe bien, c'est tellement génial que. Bah, en fait, quand ça se passe bien, c'est juste le meilleur jeu quoi. Ouais, ouais. Si t'aimes la SF. Par contre, on a pas fini des objectifs, c'est là-bas. Mais j'avoue que j'ai quand même beaucoup de. Ça rame pas mal quoi. Ça rame là pour toi? Ouais. Attends, tu pars tout seul, fais gaffe. Ça rame pour toi là? Moi ça. C'est quoi que t'appelles ramer? Parce que genre tu sais, j'ai des chutes de FPS assez vénères et. T'es sûr que t'es pas passé en Vulcan? Attends, tu veux que je vérifie? Parce que moi ça va là en vrai. Là je suis à 34 FPS stable. Après peut-être que pour toi c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup en soi mais. Alors oui, certes, mais je suis prêt à faire des concessions. En fait, le problème, c'est surtout que c'est pas stable. Tu vois, ouais. Genre, moi, oui, être à 30... Moi, je suis stable à 30, c'est pour ça que je te dis ça. Non, non, je suis bien en DirectX 11. J'ai pas mis le DLSS, par contre. Alors, peut-être que vu que c'est la première fois... Ouais, moi non plus. Peut-être que c'est la première fois que tu allumes le jeu, peut-être que c'est possible qu'il compile les shaders au fur et à mesure. Ouais, c'est possible. Ce qui veut dire que, du coup, t'as des moins bonnes perfs. T'as des drops, t'as des petits freezes. Si c'est ça. T'as des petits freezes, c'est ça ou... Ouais, ça freeze pas mal, ouais. Ah, je pense que ça doit être ça. C'est quand tu. Ouais, quand tu pars pour la. Par contre, tu pars loin là. Le bouquetin là, il va. T'inquiète, mec, je suis on fire. Hein. Vas-y, on fire. Moi, je fais la mission pour l'instant. Vu tout le monde là. Ah oui, c'est vrai qu'on a une mission, my bad. Faut pas juste buter les queumés. Ouais, après, tu ça me cover. Hein. Vas-y, je détruis les serveurs là, c'est vite fait. Ouais. Ils pop à l'infini ou. Ils vont s'arrêter? Par ici ou. Ouais, ils pop pas mal fort, ouais. Ouais, ils pop pas mal fort. Il faut se méfier. Il faut se méfier et genre typiquement là, ces missions là solo, c'est quand même temps là qu'il faut être. Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Il y a un détruit avec quoi du coup les serveurs? De quoi pardon? Tu les détruis avec quoi les serveurs du coup? Avec mon arme, avec mon flingue tout simplement. Ok. Attends, l'espace d'un instant, j'ai dit mais comment ça détruire les serveurs de jeu genre. Comment tu détruis? Bon, en jouant au jeu. Tu détruis le jeu SDP là. Comment détruire le jeu? T'inquiète, on fait ça tous les jours. Ok, c'est bon. Non, putain, le fait que la météo elle est changée, que maintenant on a un petit lever de soleil. Oh là là, masterclass. Ouais. Ouais, petit. Bah, c'est l'heure de la planète tourne, hein, tout simplement. Et oui. Et ouais. Ok, fini mission. Bon, par contre, un peu déçu que le jeu part du principe que les planètes soient rondes, mais bon, après, bref. Après, voilà, Star Citizen n'est pas réaliste en tout point, non, quoi. Non, non, voilà. C'est là où après, ça. Ils ont ça, dit, ça pour, voilà, pour le gameplay, c'est plus simple de faire des planètes rondes. On peut comprendre, évidemment. Non, ah oui, merde, c'est dans mon sac à dos. Les Romas, ils ont fait ça, je pense. Exactement. Pour... Je crois que j'ai fait un espèce de boulet-boulet sur une caisse, là. Putain, j'ai pas plus de munitions, moi. J'ai un peu sec. Tu as sec. Ok. Ah, on me dit qu'il y a, il y a quelqu'un à sauver dans les parages. Je vais voir si. Mon arme peut-elle s'enrayer?
Si t'as plus de... Non, pas vraiment. Okay. T'as plus de munitions ? Non. J'en ai plus déjà. Elles sont dans ton sac, les munitions qui te restent, je pense. Oui. Alors normalement, t'as une touche Alt 1, c'est pour reload toutes tes munitions. Ouais, je suis en train de le faire là. Ah, c'est nouveau ça aussi. Sauf que c'est... Il y a un bug de son dessus. Apparemment, il l'a fait. Ouais, je l'ai fait, ouais. Ça va ? J'ai plus de son dans le jeu, je crois. Ah si. Si, c'est bon ? Ah, ouais. Ok. Non, ça va, t'as eu de la chance. Et normalement, t'es de nouveau... Attends, monte voir. Je te mate. Mets-toi debout, tu vois. Arrête. Ouais, vas-y. Je vois. Ah, t'as pas beaucoup de munitions sur toi. J'ai l'impression que tu les as pas équipées sur toi. Ouais. Va dans ton inventaire avec I. Et simplement, tu double-cliques sur les munitions qui sont dans ton sac. Pour les installer sur toi. J'ai zéro munitions, mec. T'as plus rien ? Ok, d'accord. Bon, cours. Vas-y. On se cassos. C'est un peu la S là. Putain, mais je pensais que je les avais sur... Enfin, je les voyais sur le corps de mon perso. Les 7 là, les 7 cartouches. Les 7, Normalement, si tu les as équipés, normalement, ouais. Bah ouais, je les voyais tout à l'heure. Bizarre. Après, je peux aller looter sur des quemés en vrai. Oui, tout à fait. 1700 km, Twilink. Ah, mais t'es loin, mon gars. Si je prends ça par exemple. J'ai déjà tout utilisé. Ah non, en fait, j'ai tout utilisé. J'ai utilisé 400 balles en fait. D'accord. On peut pas partager une mission de sauvetage. C'est bon, ah, t'es où ? Back. T'es là, ouais. Faut une arme là. Je vais me battre là. Tu veux te battre ? Ouais. Si tu veux, on peut aller visiter l'intérieur vite fait. Désolé, Twink. Je vais me battre là. Je t'ai tué. Vas-y, attends, je vais te diriger un peu parce que. Ouais, on continue par à gauche après. Tu veux que je peux annuler la mission ? Au pire, annule la mission, Twink. Fais en sorte que quelqu'un d'autre vienne te sauver. Ça tire de où là ? Là en bas. Il y a des mecs. Mais vas-y, on va se mettre à couvert. On passe par le couloir à gauche. Et ça, c'est les... En fait, c'est ces endroits. Là, cet endroit que je te fais visiter là, c'est un peu le. Il est où mon gros ? Les endroits de raid et tout, non ? C'est des endroits, ouais, un petit peu de raid. En fait, c'est tout nouveau, en fait, et c'est pas encore à 100% implémenté. J'ai un petit souci d'interface. La minimap dans les missions, dans les grosses, ça doit être trop bien, ou elle est pas dispo ? Comment ça ? Je pense que si je rentre dans le bâtiment, il y a une map, non ? Oui, il y a une map. En fait, elle est pas dispo quand t'es en extérieur, mais là il y a... Moi, j'ai une map en haut à gauche, là. Ouais. J'appuie sur des boutons là. Tac. C'est quoi ce délire ? Ah, j'ai un bug de crosshair, il est incroyable. Vas-y, viens, c'est par là l'entrée. Ok. Je sais pas régler. Ok. Et là, attention, il peut y avoir du monde là-dedans. Alors attends, je vais juste double F4. Ah oui, bien vu. Alors bien joué le chat qui sauve. Ok, donc ouais. Alors là, on rentre. En fait, donc c'est des espèces d'immenses usines avec différents niveaux. Chaque usine a des est composée, appartient à différentes entreprises. Pour l'instant, il y a des missions de combat, etc. Il y aura bientôt des missions de cargo là-dedans, des missions industrielles, des raids PVE. À faire, etc. L'ambiance est assez stylée quand même. C'est trop stylé, mec. Kiffes, attends, je vais canner là. Je me mets. Merde, attends, oui, soigne-toi. Attention, je te couvre. Je crois que tu m'as mis quelques balles à un moment, je suis passé devant toi. Ah bon ? Ouais. Ah, alors des fois, pas de mon point de vue, mais c'est possible avec les D5, des fois, c'est relou. Attends, pourquoi ça marche pas ? Attends. Normalement ça marche. Attends, je me vise. Ah, t'as des T3. Alors là t'as des blessures T3. Donc c'est les blessures les moins graves, mais c'est chiant quand même. Ce qui veut dire que tu peux pas te soigner à 100%. Là t'as le bras et le torse. T'as le bras cassé en gros et t'as une hémorragie au torse. Oh nickel. Donc là il te faudrait un lit médical pour te soigner. Je suis à 75% quand même, ça va. Ouais, mais on va pas trop faire les cons non plus. On a des copains à côté avec un lit médical. Je pense qu'on va aller en profiter. Parce qu'après ça va être chiant. Ok. Tac. Bien, ouais, t'es où ? Vas-y. On va faire un petit tour et puis après on se barre.
Faut pas trop traîner parce que ça respawn assez fort ici. Ok. Ah ouais, tiens, j'ai une idée, vas-y. Continue là. Continue où t'es dans le trou là, à ta droite. Là, ici, il y a un petit passage secret là. Vas-y. Oh, là. Échelle ? Non, t'es une échelle là ? Oh non, je suis trop con, j'ai pris une échelle. Ah oui, c'est pas grave. Tu peux y aller en fait. Ça va, c'est pas grave. Vas-y, tu peux y aller, hein. Saute dedans. Je vais te montrer un peu. Donc, dans ces endroits là, ce qui est cool, c'est qu'on peut s'infiltrer un peu comme ça. Et il y a des endroits on peut, voilà, on peut passer un peu en soum-soum. Si tu veux pas tout péter, tu peux jouer l'infiltration. J'ai réussi à rentrer dedans quoi. Et tu t'en sors? Non, j'arrive pas à rentrer dedans. Ah, il est un peu capricieux, celui-là. C'est bon? Ouais. C'est bon? Pour toi là? Ouais, je suis rentré, hein. Je suis là. Ah ok, une petite D5. Est-ce qu'on va faire une... Ah, je te vois plus bouger, ouais. Ah! Pas bon signe. Ah bah t'as disparu. Ah non, c'est bon, je te revois bouger. Ah c'est bon? Ouais, et le savoir tout saute un peu là. Contact. Donc je t'ai dit en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a des périodes où ça va bien, d'autres non, etc. Pour l'instant, tant qu'ils ont pas stabilisé toutes les technos, c'est un peu chaudasse. C'est trop bien, j'ai envie de jouer à ce jeu toute ma vie là. C'est bon, encore un de convaincu quoi. Mais que faire, que faire. Mais je savais que le jour où je lancerais le jeu... Ah mais c'est le jeu de demain de toute façon. Hein. J'ai drogué, je le savais. Tout le monde sera... En fait, en plus ce qui est génial dans ce jeu, c'est que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. T'as tous les gameplays quoi. Y'a pas encore de mécanique de... Ah si, ok, ah, my bad. Si si, normalement oui, elles sont un peu capricieuses. Mais ouais, ok. Alors fais gaffe, ici ça tire dans tous les sens, y'a du monde. Hein. Parce que là on est au centre un petit peu du bunker, tu vois. Et plus tard, si tu viens ici là, quand tu seras ici là, toute cette partie ascenseur, enfin toute cette zone avec les caisses là où je suis là, c'est un immense ascenseur coulissant qui va vers en bas là-bas. Et ça mènera à des niveaux inférieurs qui mèneront à des grottes, à des zones de gameplay à part entière. Là, faut pas tomber là. Là, il vaut mieux pas tomber, ouais, effectivement. Ouais. C'est pas un plan d'avenir. Y a pas de jetpack. Y a pas encore de jetpack, non. Là, c'est des caisses de loot. Y a une petite caisse de loot ici. En fait, le plus gros problème du jeu, c'est qu'il va coûter trop cher en serveur, quoi. Il faut qu'il rentabilise, quoi. Trop cher en serveur, tu dis? Ouais. Bah, ça me paraît tellement huge que genre en termes de serve... Ça dépend de la quantité de joueurs. En fait l'avantage de la techno qu'ils sont en train de développer, c'est que les nombres de serveurs va s'adapter au nombre de joueurs. Donc, il y a aux endroits et tout, mais... Ouais. Mais c'est vrai que ça me paraît quand même assez fou quoi. Oui c'est assez énorme. Après ça fait partie du truc quoi mais... Ah oui totalement, je pense que à terme il y aura peut-être un abonnement ou quoi. Normalement pas. Hein. Ah ouais? Non, ils vont garder le système. De vaisseau payant si t'as envie. Et... Alors, pas de vaisseau, mais les concepts de vaisseaux qu'ils vont développer. Ils ont prévu à terme de les laisser. On pourra pré-acheter des vaisseaux en concept, pas les vaisseaux qui sont en flight ready normalement. Puis surtout, c'est un pay to play quoi, tout simplement. Donc, Oui, à la limite, on peut faire là les skins, il y aura toujours des gens pour les acheter. Ah, pardon. Et puis, oui, non, c'est pas là. Oui, les skins, surtout les skins. Moi, j'attends. Ils en font déjà, mais ils sous-exploitent clairement le. Ouais, en vrai, ouais, ça a pas l'air exploité de zinzin. Non, mais après, c'est, en vrai, si c'est une early access de ouf et tout. Tu peux déjà acheter les vaisseaux. Je pense que ce serait un peu mal vu si t'avais une boutique avec des lootbox de skins et tout, non? Les lootbox, oui, clairement, mais des skins en eux-mêmes, moi, je serais le premier à dire. Moi, je suis le premier à leur dire, faites des skins dans l'air parce que. Parce que c'est vraiment. Moi j'ai déjà beaucoup de vaisseaux, tu vois. Que ce soit les referrals ou des vaisseaux que j'ai achetés ou gagnés. Oui. Oui, je pense que pour les joueurs comme toi, maintenant c'est. Moi les nouveaux vaisseaux ils me font rien, tu vois. J'en ai absolument rien à foutre. Et alors que j'aimerais avoir des skins pour mes vaisseaux. Il y a certains vaisseaux qui n'ont pas de skins dessus, ils sont dégueux et ça me saoule. Alors moi j'ai plus de munitions donc c'est la fin pour moi. Moi j'ai looté des. V'là les munitions sur les queues, hein. En vrai, je vais voir si. Ouais, j'avoue que je loot pas comme un gros connard. Je vais voir s'ils ont des armes. Carrément, j'ai pris une des armes d'un mec et. Ouais. Attends, je vais faire ça. Karna. Après, il faut qu'il ait des armes, les mecs. Elle est où son arme? Attends, c'est de la P4. Je me mets le jeu à 60 FPS constant. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie, j'ai plus de 60 FPS. Ouais. Ah, le jour, ouais, ce jour-là, ouais, on est mal barré. Ah, bah ouais. Mais je tue ma chaîne Twitch, hein, je pense, si ça arrive. Tu tues ta chaîne Twitch? Ouais. Je suis pas sûr que SC va tuer ta chaîne Twitch, honnêtement. Si tu veux parler de streaming et Star Citizen, il y a de quoi en dire, on pourra en discuter deux heures.
Il y a... Bon, il y a clairement un écosystème Twitch. Ah oui, non mais ça c'est sûr. On est enfin, il y a beaucoup... C'est déjà, c'est un jeu qui se stream tellement bien. Parce que il y a... Bah, c'est ultra cinématique, quoi. Bon, on me dit que je peux clairement atteindre les 60 FPS si j'active le DLSS, hein. Oui, toi, t'en après, pas je fan, te conseille toi. Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le DLSS vient de sortir. Et ah oui, tu peux, hein, mais il vient de sortir, donc... Ah, attends, non, reviens. Merde. Ah, mec, c'est le jour et la nuit, je viens de le mettre. Ah ouais? Ah bah c'est incroyable. Après, c'est vrai qu'Nvidia a fait une mise à jour il y a quelques jours, hein, ah, mec, pour le mettre... Ah bah mec, là, c'est plus le même jeu, là. Bah là, c'est bon, là, ah ouais, c'est fini, là, j'ai plus de vie, ah hein, ouais, ça y est. Hein. Ok. Ah, j'avoue, il faudrait que j'essaye, en vrai. Attends, je me suis stuff, c'est bon? Ouais. Attends, je l'ai mis, mais il est off, donc je suis en mode full paracétamol. Paracétamol, je suis en mode full placenta là. Placenta. Ah, placebo. Attends. Attends, si jamais clique sur niveau principal dans l'ascenseur, attends, ou main. Auto. Main. Je suis tout en bas, je sais plus. Où je me soigne. Putain, il y a des PNJ. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Ah, je me suis fait placebo la gueule là. Ah, voilà. Après, est-ce que... Ah, peut-être que ton GPU... Attends, DLSS, c'est bien si ton GPU est limité. T'as quoi comme carte graphique? J'ai une 4080. Ouais, non, tu devrais pas être limité, normalement. Et je suis en double PC, donc du coup, vraiment, la 4080, ah, fait ouais, que ça, tu vois. Ok, oui, non, effectivement, y a pas de raison, normalement. Mais écoute, tant mieux, j'avoue que j'ai pas testé, faudrait que je teste. J'ai juste eu 30 secondes sans freeze, j'ai cru que le DLSS avait sauvé ma vie, mec. Ah. Et c'est revenu. Attends, je suis encore dans l'ascenseur, je sais pas où je vais en fait. Niveau principal, tout en bas, le bouton du bas. Lobby. Vas-y. Tu vois? Ouais. Bon, je t'ai trouvé. Ok, ouais, je suis en train de... Tu vois, je suis en train de custo mon arme. J'ai custo. J'ai looté une petite Karma Rifle, très sympathique. Voilà. Lille d'assaut. Let's go. Je sais pas où on en est, ta soif, garde un œil dessus. Moi, il me reste 25%, je suis un peu dans le rouge. 46, ça va. Ok, ouais, on s'est attaqué. Ah. Oh, ok. Petit problème de ma. Attends, hop. Hop. Ok. Non, on t'arrête plus, ça y est. Il est en train de clean le bunker à lui tout seul, c'est magnifique. Après c'est peut-être le placebo, hein, le DLSS. Normalement tu devrais pas avoir une... Non mais là différence. C'est pas beaucoup mieux là. Ouais ouais. C'est pas non plus... c'est pas encore ouf. Je pense que ouais, c'est surtout qu'on était dans une zone petite qui était déjà chargée. Ouais. Là tu vois, là on est dans le sommet de la zone, donc on est un peu dans la salle d'accueil en gros. Et si on sort, alors, c'est pas là, c'est juste à côté. Ah je peux, bah, je peux coller un vaisseau ici quoi. Alors, je sais pas, ça, ils ont remis en la fonction ou pas? Parce que alors, ça ne marchait pas la dernière fois. Je voulais te dire ça. Attendez, accès à la liste de véhicules. Hein. Ah, c'est en stand-by là. Ouais, non, c'est pas activé là. Ok. C'est encore. Par contre, t'as le bug de son ou pas? Non, j'ai aucun bug de son. Ok, ouais, attends, parce que moi je t'entends recharger en continu en fait tes armes. Ah merde, ok. C'est... Moi, j'ai... Mais pas c'est pas grave, c'est pas très fort en vrai, ça va. Alors attends, je vais faire ma petite pause soif parce que là je suis en train de crever. Vas-y, de soif, pareil, je vais boire aussi. Donc là t'as juste à enlever ton casque. Oublie pas d'enlever ton casque. Ah ouais. C'est con mais voilà. Petite donc, bouteille de cruze. Là je la tiens. Et ouais, tu laisses appuyer clic gauche. Avec cette belle moustache. Ah ouais. Et est-ce que ça suffira? Ah oui, je suis à 100% là. Toi ouais, je pense que ça suffit pour toi. J'en reprends une deuxième. Je remets mon casque avant de sortir, sinon ça va être chaud. Ouais, oublie pas le casque. Je t'entends charger en continu, ça c'est drôle. Je suis désolé. Oh, c'est pas très grave, c'est pas fort en vrai. On m'avait dit que c'était ultra fort le bug, ça va, c'est pas non plus. C'est parce que j'ai fait quoi du coup? C'est quand t'as fait alt, quand tu fais alt 1, c'est pour Okay. Ah peut-être si je le refais ça va arrêter. Alors je vais l'avoir aussi. Ou tu l'auras plus fort encore et tu l'auras aussi, ouais, effectivement. Alors laisse tomber, t'inquiète. De toute façon dès que je suis à plus de 10 mètres je l'entends plus. On prend pas l'ascenseur?
Je sais pas où. Il mène qu'au hangar, je crois, ceux-là. Hangar 1, 2, ouais, et lobby. Ouais, donc pas très utile, on peut pas sortir les vaisseaux là. On va retourner en arrière, c'était pour te montrer un petit peu et. Putain, c'est bizarre ce crosshair qui se décale. Ok, si tu veux, vas-y, je te montre vite fait. C'est là où on était tout à l'heure en fait. Vas-y. Tu sais, quand on s'est posé en vanguard tout à l'heure là avec le vaisseau, on avait accès, on était sur des pads et en fait c'était là, juste simplement. Parce que tu vois un petit peu là, comment ça circule dans la zone. Ah vraiment hein, quand ça tourne là je suis que nul hein, vraiment. Ouais quand ça tourne bien c'est ouf. Bah là ça, en vrai le DLSS j'ai l'impression qu'il fait du bien là. Ouais après il te soulage de 5-7 FPS, c'est pas grand chose mais bon à 30 c'est pas mal. C'est toujours pas ça de prix hein. Et ouais, en fait oui. C'est surtout, c'est pas tant qu'il rajoute des FPS c'est qu'il rend le jeu plus stable j'ai l'impression tu vois. Parce que j'avais ouais. Vraiment des drops assez énervés, c'était pas très agréable. Ah ouais. Ah ok ouais. Alors là j'en ai beaucoup moins. Le Cutlass, il est où le Cutlass Philippe. Je crois qu'on a notre... T'es dans ton Cutlass ou pas là. Je sais pas s'il m'entend. Parce que ça aurait été pas mal qu'il vienne nous chercher là en vrai. Ça aurait été stylé. Il vient de nous chercher. Ouais il faut, attends. Je leur demande. On a des petites jumelles. Allez blam. Ah oui d'accord. Blam. Tu veux qu'on se la mette. Ouais, on se la met. Vas-y, on se la met. Viens, Stuose. Vas-y, viens là. Viens, Stuose. Attention, j'ai joué à plein de FPS. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Avec ton armure dégueu là. Allez. La technique du fourbe. C'est ridicule. Pour l'instant, je crois pas qu'on fasse des dégâts vraiment. Ah, regarde, stop, regarde. En dessus là. Je reprends mon arme. Ah, ouais, alors attention, ah, oui, au-dessus de toi. Oui. Attention, ouais. Oh, on a failli passer à côté du malaise là. Voilà, tout va bien. Vas-y, monte à l'arrière. Petit Cutlass, posez. Il bouge un peu bizarre. Là. Oui, ton arme, t'as pas oublié. Oh ouais, je l'ai prise. Et donc là, on est dans un vaisseau médical. Alors, c'est. Tu peux te mettre dans un lit à droite. Ah, ça va me soigner full. Et alors, normalement, t'as accès à un écran au-dessus de toi. Ouais. Et dessus, faut que tu cliques sur. Medical sur médical. Ouais. Et tu coches le. Il va te proposer un traitement. Select injury. Hop là. Voilà, et tu cliques sur OK et tout, il va te faire un espèce de scan et tu seras tout beau, tout neuf. Allez. Attends. Merci Philippe pour le taxi. Je crois. Prescript de force. Ah, traitement medication, traitement. Ouais. Ah, ouais, là t'as les trois trucs à cocher tout. Normalement. Voilà. Je vois ton écran, c'est génial. C'est vraiment trop bien. Coche les trois. Hein. Ouais, genre juste la galère. Ouais. Ah, il est décoche. Il est décoche. Ouais. Fais traitement. Bon, de toute façon, au pire, fais-le en deux fois. Oui. Tu vas voir si ça disparaît l'icône T3 sur à gauche, en bas à gauche. En bas à gauche, dans jour 3 là pour l'instant. Ok, sur les bras bien fumax. T'as toujours les bras. Bah tu refais les bras, ça devrait le faire normalement. Essaye ouais, de faire bon. Les deux ou pas. Ah ouais non, c'est bon. Ça marche pas. Ah ouais. Ouais tu sais après bon. Ah si ça a marché, trop bizarre. Ah quand il en coche plusieurs en même temps ça décoche visuellement mais pas vraiment. D'accord ok. C'est un petit bug visuel, tout va bien. Tu sais que ça. Voilà. Et là t'es tout beau tout neuf. Et là je suis tout beau tout neuf. Alors là on peut retourner à la mano vers notre vaisseau ou Philippe nous conduit jusqu'à notre vaisseau. Okay, Philippe, tu veux bien nous conduire. Il va nous conduire. Ah, il m'a fait non de la tête ou j'ai rêvé. Attends, ah oui, remonte à bord. Ouais, je suis tombé du vaisseau. Ouais. Je pensais que c'était une vitre. Ah oui, non, c'est les sas. T'es dedans là. Ouais, ah je suis dedans. Ok. Il y a des petits. En fait, c'est des sas de docking, ça. Pour se docker à des stations ou d'autres vaisseaux. C'est la variante médicale du Cutlass, donc. Stylé, ouais. Hein. C'est un petit peu l'ambulance. C'est l'ambulance du Verse. Quand je fais pour rengainer mon arme long R.
Par contre là tu vois, si Philippe sort de son siège, il va t'écraser avec son siège et tu meurs. Mais il va pas le faire. Il va pas le faire, mais c'était pour l'anecdote. Peut-être t'en tirer alors, j'ai pas confiance. Je ne le connais pas, ouais. Philippe. Ouais, on, voilà, il, après il est gentil. Hein. Vas-y, on va pouvoir sortir, on va pouvoir aller faire un autre truc. Tu voulais faire du combat spatial, je trouve. Ouais, j'ai trop envie de... Bah j'ai pas piloté encore, j'ai trop envie de piloter. Ouais. Attends, il est quelle heure, on a le temps? Ouais, ouais, on a un petit peu... Merci Philippe. Merci Philippe, bravo Philippe. Super Philippe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on irait pas... Ah, il y a un autre vaisseau là. Ah oui, ça c'est le sabre Firebird, ça. Hein. Piloter ça sinon. Alors moi ce que je préconise, c'est que tu te mettes tout nu avant de piloter. Ouais, ouais. Pas perdre ton stuff. On va aller à la station, je peux t'enfiler un si tu veux. Parce que du coup tu perds pas ce que t'as dans ton sac. Alors tu... Si, là si tu prends un vaisseau que tu te craches avec, tu vas perdre ce que t'as sur toi. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre en station ce que t'as sur toi. Avant de Moi partir, je pense que je vais pas me cracher. Hein. Tu penses que tu vas pas te cracher? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais ouais. Qu'est-ce que vous pensez le chat? Mais déjà il a qui ce vaisseau? Est-ce qu'on peut Et rentrer si dedans? Si je me crache, je mets 10 balles dans ta cagnotte. Ah oui, il est à nous, on peut. Moi je dirais. Ah, après j'aurais voulu, je voulais te prêter un vaisseau et tout là. C'est Alex. Attends, bah mec, on va chercher le vaisseau et moi je prends celui-ci, on va le chercher ensemble. Ouais, vas-y si tu veux. Je peux pas rentrer dans le pilote site par contre. Si, normalement. T'as l'interaction, il faut être bien devant. Ok. SS sans crash first try, c'est giga shad. Ouais. C'est pas que j'y crois pas, hein, mais Ok, on va voir. Alors, je me laisse surprendre. Bientôt 10 balles de plus dans la cagnotte. En même temps, c'est pour la bonne cause. Donc ça marche pas, par contre, j'arrive pas à rentrer. T'arrives pas à rentrer, t'es sûr? Alors, normalement, si. T'appuies sur F? Attends. Ouais, j'appuie sur F. Même enfoncé avec la roulette, ça marche pas. J'avoue que. Alors, parce que l'électro a crash, donc peut-être ah, que. Ah, peut-être le vaisseau il est bunny alors. Bah, c'est pas grave, j'ai piloté le tien. Au pire, écoute, on va faire ce qu'on a dit. J'ai pas envie de perdre mon stuff vraiment. je vais te poser et je vais te filer un vaisseau. T'inquiète, il sera stylé. Ça marche. Je te filerai un vaisseau de combat et tout. Et puis je prendrai un vaisseau monoplace aussi. Et on ira ensemble faire une mission de dogfight si tu veux. Allez. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme mission de dogfight dans le coin là? On va faire un truc assez simple au début. Hein. Bon, on va faire un duel. Hein. Mais non, on va pas faire un duel. Hein. Tu vas m'éclater. Ah bah bon. Ah bah c'est pour la cagnotte hein, après. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Il y aura même pas d'enjeu. Oui, non, effectivement. Mais 3000 heures de vol hein, à ton actif. Ouais, un peu plus. Mais je vais tout dans le jeu. On va faire du PvE. T'aimes bien le PvP en général là? Ouais, ça va. Ouais. J'avoue, j'aime bien le PvE quand même. Ouais, ok. Bon, de toute façon, il y a de tout sur SC. En fait, là où je pense que c'est frustrant dans le PVP, c'est que les échanges doivent être très courts, tu vois. Ça dépend. Ça peut être frustrant et ça peut être génial aussi. Oui, bah quand tu gagnes, quoi. Même pas forcément. Non, parce que le dogfight sur Star Citizen, il y a quand même un côté un peu... Il y a un côté, comment dire... Le combat en lui-même, en fait quand tu kiffes ça, ce que je dis, quand tu connais et que tu maîtrises et que tu kiffes ça, le combat en lui-même est génial en fait. Et quand par exemple moi je vais faire souvent des sessions d'entraînement en duel avec des copains ou même en escadrille, etc. On sent pas les couilles de gagner ou perdre en fait, parce que le combat en lui-même est juste trop fun en fait. Oui, en fait ça dépend dans quelles circonstances tu fais le PVP, si tu le fais en mode vas-y on part en PVP, on s'amuse, ça c'est cool, mais si je sais pas, tu reviens de mission, t'as un cargo, t'es yimbe et tout. Oui. Après, c'est grisant c'est... aussi parce que t'as envie de lui échapper, t'as envie de gagner, ça doit être des émotions. Je peux te donner un petit scénario qui s'est arrivé il y a quelques jours, tu vois. En ce moment, je fais un peu de piraterie, on est tombé sur un cargo, un carac que t'as visité tout à l'heure, tu vois. Ok. On l'a mis en soft death, c'est-à-dire qu'on l'a on l'a attaqué, on l'a désactivé dans l'espace, il s'est transformé un peu en épave, c'est-à-dire qu'il avait plus de système de gravité, plus de bouclier, plus rien. Et on l'a abordé, tu vois. On est rentré dedans en EVA, on était dedans en EVA avec les armes et tout, on attaquait, on cherchait les gars qui étaient cachés dedans et tout, on a fini par les trouver, les buter et récupérer le cargo et tout, et ça crée des scènes de fou quoi. Bah oui, de ça ouf. C'est génial quand ça se passe comme ça. Quand ça se passe comme ça. Après c'est clair, quand c'est toi qui es dans le... Qui est dans le carac, c'est pas la même chose quoi. Alors c'est pas la même chose, mais y a quand même un côté, le fait de se faire aborder, en vrai moi je rêve un jour d'être en cargo et de me faire aborder, parce que l'action est folle en vrai.
L'action est folle. Tu peux complètement retourner la situation. Ah. Ah non, ça va. Juste un retour Windows. Mais c'est vrai que il y a un truc aussi, c'est que quand... Ah oui, ça je t'ai pas dit. Quand t'es criminel sur Star Citizen, t'as... Donc si t'as buté des gens ou des forces de l'ordre, etc. Si t'es un thug. T'as du crime stat sur ta gueule, comme les étoiles de GTA. Ok. Tu vois un peu ? Ouais, ouais. Et là, les autres joueurs ont des primes sur ta gueule, en fait. Ok. Et ils peuvent venir te buter pour te foutre en taule, en fait. Et en fait, souvent, ce qu'on fait aussi en tant que joueur PVP, ce qu'on aime bien, c'est être en crime stat activé. Attendre que les gens viennent te traquer et simplement, c'est tu les fumes et puis des fois c'est eux qui te fument et tu finis en tôle quoi. Mais voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a la tôle et tu peux t'échapper de la tôle et tout. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est un exemple. Ah, il y a l'Idris à Portrait Slayer. Oh oh. Hop là, c'est parti. Ok. On va arriver. L'arrivée sur la station, j'adore. Je t'entends reload tes armes derrière moi. En continu, c'est beau. Je décore quoi ou pas ? Non, non, t'inquiète. Par contre, on me dit qu'il y a l'Idris sur Port Ressler. Alors, je sais pas ce que c'est que cette info. Vas-y, on y va. Hein. Moi, je pilote. Hein. Alors l'Idris c'est un gros vaisseau, mais alors, qu'est-ce qu'il fout là déjà? Attends, je vais te... C'était pas l'event où fallait le capturer là? Oh, il y avait ça, ouais, effectivement, ouais. Ouais, peut-être t'as vu la vidéo, du coup, on en avait capturé effectivement, et c'est insane. Mais là, en ce moment, on peut en visiter, du coup. Ok. Mais je sais pas, il me parle de l'Idris, je vois pas l'Idris là. Ah si, attends, non. Vous avez fumé le chat. Je check, mais... Non, je vois rien. Ouais, je pense que c'est un petit bug, les gars, vous avez vu. Il voit des trucs. Merci. Là, t'es en appareillage auto ? Non. Non. Je dis de la merde. L'atterrissage automatique. Hein. La preuve en est. Oui. Le petit fail, évidemment. Ah, ça va, tout va bien. Ça va. Oh, il y a un peu long sur l'arrière. C'est bon. Oh là là, je vais tellement piloter là. Vas-y, alors. On sent le... j'ai l'impression que je vais te faire un bizutage, mais non, c'est pas le cas, mais il faut que tu te mettes tout nu, effectivement. Ah oui, parce que de toute façon, j'ai accès à mon stuff. Donc là, tu peux, ouais. Tu veux lui sortir le Hornet, un beau vaisseau de combat. Ça fait son effet. Vas-y. Ah, je sais pas si... Ouais, faut peut-être que tu quittes le hangar. Merde, ouais, pardon, je me suis trompé de sortie. Oh, pas de soucis. Vas-y, moi aussi, je me mets à poil. Merci, Chachouchen, pour les 100€. Merci beaucoup. Hop. Bon, après, évidemment, je me mets à poil parce que là, je sais qu'on va finir... Merci beaucoup, Chachouchen. Merci infiniment pour les 100 balles. Bravo. Je sais qu'on va finir... Je vais où ? Docking porte 1, 2, lobby. Lobby, pardon. C'est quoi ça? Littéralement, c'est Liberman dans l'espace. On fait des donations de boîtes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Avec mon perso qui est en train de... Oh, il est très concentré, mon perso. De la ferraille, merci. On m'offre de la merde, très bien. Merci encore, Chachouchen, pour les 100 balles, merci beaucoup.
Bravo. Mais... Je peux m'en débarrasser maintenant. À l'aide. C'est un piège. Ok, c'est bon. J'ai même pas regardé mon vaisseau encore. Ouais, tu veux regarder ton vaisseau? Il est pas très impressionnant. Non, vas-y, je vais piloter celui que tu vas me call et puis après je piloterai le mien. Putain, j'ai la caisse. Et c'est quoi ce cadeau empoisonné là? Vas-y, je te le sors déjà. Vas-y. Hangar 4. Et je vais t'accompagner de toute façon. Vas-y, viens. T'es dedans? Dans l'ascenseur là. Okay. J'ai pas... Il y a des petites. Ah, je suis pas allé dans le même que toi. Ah, bon, je peux grave Hangar 4. Au secours. J'étais pris en otage par une caisse. Ah. Ça y est. C'est bon, ok. Du coup, voilà le Hornet Mark II. On rentre par où? Par derrière? Par devant, par devant. Qui est le dogfighter medium de l'armée de l'UE. C'est le truc qui est pote. Ouais, c'est le... C'est un peu l'équivalent du X-Wing, tu vois. Ouais, sur ouais. Star Citizen. Je vois pas où on rentre, par contre. Très, très beaucoup armé. Ah, c'est bon. Par là. Ah, par contre, je vais peut-être devoir rentrer en premier pour trouver la porte du hangar. Non, c'est pas grave, vas-y. Peut-être qu'il va falloir que tu ressortes. Alors attends, là j'allume. Alors attends, avant d'allumer peut-être. Ah ouais. Essaye d'aller dans ta mobiglas, je sais pas s'ils ont réparé ça. Dans com, ami, et d'appeler Portressler. Je suis pas sûr que ça marche. Je les ai appelés. Ouais, non, ça marchera pas. Ouais, il faut que je le fasse moi, il faut que je me mette dans le cockpit. Ok. C'est un peu chiant ça. Y'a pas un monde où ça marche si je le fais moi de l'extérieur. Ça marchait à l'époque, mais... Oh, ça marche pas, hein. Oh, dommage. En tout cas, merci mec pour la découverte, c'est incroyable. Pas de soucis, toujours un plaisir. On aime bien faire découvrir le jeu à des nouveaux. Toujours des bons moments, ouais. De toute façon, j'y suis tous les jours pratiquement dessus, donc c'est l'occasion de faire des trucs un peu différents, de revoir les bases. Vas-y. Tu joues à rien d'autre? Oh, très rarement, honnêtement. Honnêtement, le sale pire, c'est quand tu fais exclusivement du SC et que t'es spécialisé dedans, la vérité, c'est que t'as même pas le temps de faire d'autres trucs, en fait. Même des fois, j'ai envie, tu vois, j'ai pas le temps. Ouais. C'est terrible. Enfin, c'est une bonne chose, du coup, mais... C'est du coup, ouais, de temps en temps, je craque sur d'autres jeux, je fais un petit peu, mais... C'est très rare. Du coup, U et I. U, c'est pour allumer le moteur. I, c'est pour allumer le contact. Du coup, non, pardon, ça m'a l'air. U, c'est pour allumer le contact, et I, c'est pour engine. Le moteur. Ok. Ensuite, donc là, t'as tout qui est allumé normalement. Ah, attends, avant de découvrir. Oula, ok, oula. Vas-y, ouais, ok, d'accord. Avance tout doucement. Alors, appuie sur N pour entrer tes trains. Beau gosse. Franchement, beau gosse. Ok. Vas-y, je vais prendre un vaisseau, je vais te suivre. Je te laisse prendre la main un peu ton vaisseau. Prends pas trop de risques. T'inquiète. Donc, tu sais comment ça marche un petit peu? Bah écoute, je sais pas. Découvre là. Ok. Donc, bon, les touches directionnelles classiques, c'est pour strafe avant, ouais. Latéral gauche, droite. Ensuite, t'as la touche barre d'espace, c'est strafe up vers le haut. Ouais. T'as la touche de base, c'est contrôle pour strafe down, je crois. J'ai l'impression que c'est alt, non? Attends. Ou alt, ouais, je t'avoue que de base. Ouais, c'est contrôle. T'es contrôle, ouais. Ouais, AE pour spin. Pour pin? Pour spin. Ah, pour le roll, oui, pardon. oui, effectivement. Et attends, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Oh, j'avoue que j'ai pas réfléchi à claim un vaisseau pour moi. Merde. Je vais prendre l'Inferno.
Et du coup, t'es en mode, là de base t'es en mode combat, c'est-à-dire que t'as les pieds activés. Ouais, je me disais bien que la maniabilité était pas dingue. Alors si, mais en fait t'es pas avec un vaisseau léger non plus là, hein. T'es avec un vaisseau médium. Ok. Qui est quand même méga armé et très tanky. Donc t'es pas sur le vaisseau le plus light du jeu, tu vois. Il est pas très rapide non le vaisseau, non? Mais si, c'est juste que 235 mètres secondes je crois en vitesse de combat, en mode SCM, en mode combat. Ce qui est quand même 700 km/h plus, donc c'est quand même pas mal. Oui. C'est juste que dans l'espace, voilà. Et après quand tu passes en nav mode, il faut savoir que c'est comme ça que tu peux quantum et aller vitesse maximale, mais t'as plus accès à tes armes et t'as plus de bouclier en fait. Ok, ouais. Et c'est la touche B. C'est la touche B maintenant, oui. Et ça c'est... Il faut faire attention que t'aies pas des ennemis autour alors de toi. Alors non, le B il lance le quantum travel je crois. Oui, alors non, en fait c'est... Alors pour te la faire courte, c'est nouveau, donc c'est master mode. En gros, t'as deux modes de vol principaux. T'as le mode SCM et t'as le mode nav. Ok. Donc c'est ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire qu'en gros en mode SCM t'as tous les guns activés, les boucliers, etc. Et en nav, t'as accès au quantum et à la pleine vitesse de ton vaisseau. Et dans ces deux modes principaux, t'as des sous-modes. T'as le mode nav quantum et t'as le mode nav flight. Donc si tu cliques droite, ou non, c'est clic molette. C'est clic molette, je crois. Ça te switch de sous-mode en fait. Ok. Et tu passes en mode nav et t'as par exemple le mode nav sans l'interface de quantum en gros. Alors moi j'ai nav FLT, nav SCN, nav QTM. Exactement, nav quantum, QTN comme quantum, nav FLT comme flight et scan SCN c'est pour scan. Ok. Et t'as le speed limiter, on me dit que t'as le speed limiter activé. Alors ça pour le désactiver je sais plus de base, mais en fait tu peux l'augmenter ou diminuer avec la molette aussi. T'as le limiteur de vitesse. Ouais. Tu vois, donc ça c'est avec la molette de la souris. Et donc, imaginons, on va aller faire une mission. T'es où toi? T'es là? T'as l'air de t'en sortir très bien pour l'instant. Ici ça strafe, ça strafe. Ça strafe? Ça strafe. Ouais, normalement. Oui, oui, c'est juste que là, tu t'en rends pas compte parce qu'on n'est pas en combat, mais... Merci Anonymous pour les 49 euros, merci infiniment, merci, bravo. Bravo à toi. Mais ça bouge fort quand même déjà. Je vais essayer de trouver une petite mission à... Attends, t'as les phares allumés, ça nous éboule. Ah, faut que j'éteigne mes phares? Non, je peux les garder, mais c'est pas nécessaire de les garder. Hein. C'est quelle touche, P? L. P. Ah non, L. L. On va essayer de te trouver une mission... Qu'est-ce qu'on peut faire comme mission facile d'accès dans le coin? J'ai une petite idée, mais... Merci Gardon Frère pour les 100 euros, ouais. Merci beaucoup. Oh, ça c'est assez facile. Des bisous, merci, t'es trop fort. Félicitations. Ok. Trop fort. Bravo. Incroyable. Il n'y a plus de dons là, vous vous réveillez là, ça y est là, 250 balles en 2 minutes. Bravo. Allez hop. Je vais te partager une mission. Oh, c'est beau là. Vas-y, je te partage la mission. Vas-y. Tu l'as reçu normalement. Là tu vas voir la totale, donc il va falloir que tu te quantum. Attends, c'est dans quoi déjà? Je me rappelle plus. Normalement t'as eu la notif, il fallait accepter avec la touche à droite du P. Ah, j'ai plus la notif du coup. Ok, je te la renvoie. Elles sont trop courtes, ils les ont changées là. Elles sont trop courtes en ce moment. Partager. C'est bon. Nouvel objectif, go to location. Voilà, et normalement il est en jaune, tu l'as. Vas-y, en... alors dis rien, je vais essayer de faire le quantum comme un grand là. Vas-y, vas-y, je te suis. Bon, c'est pas très compliqué en soi. Si ça se trouve, tu vas même nous embarquer dans le quantum. Ah, tu peux te mettre à côté de moi, mais le quantum on t'emmène. On peut se quantum link, mais c'est un peu instable. Il y a peu de chances que ça marche, même. Je sais pas trop, on va voir. Ah, donc là, t'es dans quelle situation, là? 100%, 100%. Ok, donc là, il faut juste que tu appuies longuement sur le clic gauche pour lancer. Voilà, et je suis parti avec toi. Nickel. Non, je l'ai annulé. Ah, tu l'as annulé. Ah oui, t'as recliqué derrière. Ouais, j'ai pas compris. Ouais,
ça arrive. Ouais, peut-être des fois il y a un petit coup de latence, du coup tu recliques en mode ah ça a pas fonctionné, puis finalement ça te le coupe du coup. Ok. Oh, tu peux relancer de toute façon. Ah, je suis parti là. Ah, c'était Electro Lost. En fait, c'est un autre qui a lancé et du coup, quand vous avez cliqué en même temps, je pensais te l'annuler au lieu de le lancer du coup. T'es parti là. Incroyable. Bon, l'interface, ils viennent de la refaire, il y a plein de problèmes. Donc tu vois là, par exemple, tu dois voir mon pseudo x2, ma distance x2, c'est relou, c'est des trucs qu'on a fait des feedbacks. On espère que j'ai pas vu ton pseudo. Je suis à côté de toi, je suis à 3 km derrière toi. Puis là on peut recontoum vers un bon emplacement. Ouais, j'y vais. Alors, ah bah ça m'a pris avec toi, parfait. Alors là on doit neutraliser des satellites de communication pirates. Pour ça il faut scanner avec la touche tab de base. C'était le cas avant. Ouais, c'est tab. En... Et t'as des petites bulles qui pop un peu partout et t'as des signatures de vaisseaux rouges d'ailleurs. Qui viennent de pop, t'as pas besoin, tu peux revenir derrière, si tu te retournes derrière toi sur ta gauche. Attends, t'as des signatures de vaisseaux en rouge. Ah oui, ouais. Bah tu peux les éliminer, je vais te suivre, je vais te couvrir. Attends, parce que j'arrive pas à me mettre en mode bagarre là. Ah, oui, passe en mode nav, SM le plus vite possible, avec la touche B. Ça marche pas. Ah si, SCM gun. Voilà, oui. Mais je peux pas tirer. Ça prend un peu de quelques secondes normalement. Attends. Tu peux pas tirer là. Si, normalement tu dois pouvoir tirer. Oula. Attends. C'est ah, c'est bon, c'est en train de charger là. Ouais, ok. C'est quoi qui me tire dessus comme ça fort là? Ok. Bon, je vais t'aider parce que là il y a du people. Bon, moi j'ai un gros vaisseau anti-capital ship. Ce qui veut dire que sur les petits vaisseaux je suis pas avantagé. Toi ça va, t'es bien normalement. Bon. J'ai une... Tu t'en sors? Alors il faut que tu targetes les cibles avec la touche T. Ah, je faisais manuellement là. Ah ouais, non, il faut que tu targetes la touche T et ensuite pour viser, il faut viser le petit rond. Ouais, ça ouais. Ça c'est le pip, on appelle ça, c'est l'indicateur. Il y avait ça sur Starfield aussi. Ouais, ouais. Alors par contre là c'est le prospector. Ah merde, il va être chiant le prospector. Ils ont beaucoup de points de vie, j'ai TD. Et... Bon après il y a la gestion de la puissance, le triangle de puissance etc à gérer, qui est assez important, surtout à haut niveau. Si je peux te donner un petit conseil pour le combat, le plus efficace c'est d'utiliser les strafes gauche-droite. Ok. Pour tourner autour de la cible et de pas trop utiliser les strafes avant en fait. En gros, tu tournes, imagine t'es une sorte de drone. Et tu tournes autour de la cible avec les strafes latéraux et tu utilises ta souris pour viser. On va dire la version simplifiée, hein. Je la fais à l'extrême. Et comme ça t'évite de foncer dans la cible et de faire de la joute parce que c'est pas très opti ça. Par contre le prospector il... Ah c'est bon, il est mort. Ah il est mort, GG. Alors tu vois il est en mode épave. C'est parce qu'il n'y a plus le pseudo du pilote, il est en mode épave. C'est à dire qu'on pourrait encore le recycler par exemple, faire de la thune avec. Là c'est pas le but mais on pourrait. T'es ouf, t'es là. Alors fais gaffe, on pourrait être efficace moins de 1000 mètres. Essaye d'être à moins de 1000 mètres. Ok. Ouais. Et de tourner autour de la cible, voilà, là t'es bien en vrai. T'en sens très bien. C'est quoi ça encore? C'est un autre prospector, oh putain. Prospector c'est des vaisseaux de minage, mais en ce moment ils ont un petit bug de hitbox. Ils sont bien tanky, non? Ouais, ils sont beaucoup trop tanky pour ce que c'est. Ça te fait un bon punching ball d'entraînement. Je vais t'aider, il y a un autre ship qui t'attaque. Un autre prospecteur des enfers. Ah, il y a le mode missile aussi. Mode missile, si jamais c'est click molette, je crois, pour switch de mode. Et il faut être par contre à moins. Il faut être à plus d'une certaine distance pour pouvoir lock un missile et tirer un missile. Là, okay. En l'occurrence, c'est 1300 mètres pour moi, ça dépend des missiles. Et après, attention, les missiles, c'est un peu aléatoire. C'est pas quelque chose que je recommande, mais. Ah oui, t'as les deux groupes d'armes, c'est bon. Une mission, je crois aussi, attends. Non, je suis repassé en mode scanner. Attends, mode scanner, attends. Oui, ah, c'est bon, il est mort lui.
Oui, quand t'es en mode SM, faut préciser que t'as deux groupes d'armes sur ce vaisseau. T'as les armes laser sur les ailes, les grosses armes laser sous les ailes, et t'as les armes balistiques. Les armes laser, elles, t'as une munition illimitée, mais elles se rechargent. T'as des ce qu'on appelle des capacitors, des jauges de laser, quoi. Et quand tu peux plus tirer avec, quand c'est vide, il faut attendre qu'elles se rechargent. Okay. Et balistiques, bon, c'est des munitions limitées, mais t'en as quand même pas mal. Et t'as groupe d'armes clic gauche, enfin groupe d'armes 1 clic gauche et groupe d'armes 2 clic droite. Et tu peux lier les deux groupes d'armes. Moi je tire par exemple, j'ai un bouton pour switch, je tire à tout d'un coup en général. Il manque un poil de retour de son, mais je pense qu'on va rester. Exact. Alors, il faut noter que le son, ils sont en plein chantier aussi. Là, typiquement, il y a un micro-patch sur les serveurs de test actuellement qui aurait dû être sorti pour ce week-end. Ça saoule, c'est dommage. Ils ont refait tout le mixage son des armes, par exemple. Ok, nice. Et effectivement, on les entend beaucoup mieux. On entend mieux quand on se fait tirer dessus aussi. C'est des trucs comme ça, ça manque un peu de feedback. C'est des trucs qu'on a déjà remontés. Ouais. Mais sinon, passe un bon moment. Tu passes un moment, ça va, tu kiffes. Ouais, de ouf. Et là, tu vois, je te laisse imaginer le dogfight au niveau PVP. Ah bah, c'est une dinguerie. Ouais, ah bah, c'est de la dinguerie. C'est assez niche comme domaine, on va dire. Comme au TAS, ça doit être fou. Ah bah, l'immersion est parfaite, hein, c'est... Ouais, ça va, je me suis bien émerdé pour mon premier dogfight. Ouais, en vrai, tu t'en sors très très bien. Et du coup, en fait, on n'a pas fait la mission. Si jamais cette petite mission là, ah oui. Tu vois, on a des points jaunes. Il faut scanner pour trouver les trois cibles et puis les détruire. Bon, j'espère qu'il n'y a pas le bug de Krimstad dessus. Bon, on avisera. Au pire, ce sera découvert de la prison. Donc là, tu vois, là, j'ai une bulle en face de moi à 10 bornes. Donc je vais aller la voir. Tu me suis là ou... Ouais, je te suis derrière. Ouais, ok. S'il y a le bug, bon, bah, on va découvrir la prison. Hein. Enfin, on va. normalement devant nous. Je les vois pas. Ouais, c'est un peu chiant. J'essaie de. Ah oui, j'ai pas scanné, peut-être, c'est pour ça. Ouais, il faut ping. Ah, j'en ai un là. Faut ping en continu. Et puis appuyer sur T pour les localiser, pour les targets. Là, j'en ai une devant moi, par exemple, à 3000 mètres. Elles sont très petites. Il y a un petit bug sur ces missions. Il n'y a pas l'icône jaune de la quête quand tu l'as localisée. Je te préviens juste, cette mission, il y a un petit souci dessus que j'avais oublié. Quand tu butes l'objectif de mission, tu prends du crime stats. Ok. Je te préviens. Bon, vu que tu avais dit que tu voulais bouger vers 20h, c'est pas trop grave. Mais Et genre, c'est chaud juste... quand on est en crime stats. T'as plus accès vraiment, ou même tu peux plus vraiment. Ça dépend du niveau de crime stats. Tu peux avoir des chasseurs au cul, tu peux avoir. Tu vas respawn à Carrea si tu meurs, qui est une station pirate. Et surtout, si tu meurs par un chasseur de prime, tu vas en prison. Ok. Mais vu que tu dois. La prison, l'avantage. En fin de session, c'est pas très grave, vu que de toute façon, tu vas en finir en taule. C'est l'occasion, tu vois, de couper par exemple, d'aller faire autre chose. Après, tu peux t'échapper, mais. Après, je dis ça, mais j'ai pas pris de crime stats. Ah non, ça a l'air d'être corrigé en vrai. Non, c'est bon, ça va. T'es où là? Ah, ça, c'est pardon, moi. C'est toi. Je pensais que c'était l'objectif de mission. Hésite pas. Hein. Non. Pas de problème. Hein. Non. Allez, on y va, y'a aucun souci. Attends, du coup, il en manque combien là? Donc là, tu vois, il nous faut. On a cible détruite 2 sur 3. Non, cible trouvée 2 sur 3, cible détruite 1 sur 3. Donc il faut qu'on chope les autres satellites. Et là, t'y vas à la mano là quand t'es à 5 km? Genre, t'y vas juste avec Z enfonce. Enfin. Full puissance. Ouais, j'y vais à la mano. Je passe pas en nav mode parce que ça pourrait aller plus vite, mais en vrai, si tu te fais attaquer et tout, t'es dans la merde. Donc là, je crois que sur Philippe, il y en a un. Ouais, je suis sur Philippe là. Ouais, je crois qu'il y a une balise à détruire à côté de lui. Ouais, c'est ça. Tu peux la fumer, c'est fait, GG. Et il en manque une. Ah, il y avait des feux d'artifice. Ouais, je sais pas, ils ont déliré avec ces trucs. Je sais pas trop à quoi ils ont. Ils ont mis des petits feux d'artifice quand tu les écoutes. Là-bas, c'est une station, là. Là où je vais, là. Ouais, ça c'est. Alors ça, tu vois, ça c'est intéressant. C'est une des mécaniques du jeu qui est très importante. C'est les Comarées. C'est un satellite de communication de sécurité. Et en gros, tu peux rentrer dedans
Et le désactiver. Et ça a quoi comme effet? C'est qu'en fait le comaré... Tu vois l'icône en haut à gauche de ton écran, le petit œil? J'ai pas ça moi. Tout en haut à gauche t'as un petit œil normalement, un petit icône d'œil. Dans mon... Sur mon écran à moi, hein, pas dans mon HUD de vaisseau. Ouais ouais, sur ton écran. Non, j'ai pas. T'as pas ça? Ouais. Le chat confirmé? Ok, bizarre. Normalement, il a pas de... Ah, t'as pas de casque, c'est pour ça. Mais je suis à poil. Ah oui, moi j'ai mis un petit casque quand même. Ok, d'accord. Ouais, bon, normalement, t'as un petit œil. En gros, ça symbolise le fait que t'es sous zone sécurisée. Okay. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et te bute... On le saura. Il aura une notification pour te demander si tu veux lui mettre du crime stats. Ok. Et à partir de là, tu pourras lui mettre du crime stats. Et du coup, il deviendra criminel et tu pourras le chasser et avoir une bounty assez par là-bas. Ok. Et en gros, si tu viens et que tu désactives ce comari, toute la zone de la lune en question, là on est au-dessus de Euther par exemple, non on est au-dessus de Calliope, toute la zone de Calliope est désactivée de la zone comari et du coup toute la zone de Calliope est en mode... Il n'y a plus de loi quoi. Ok, trop bien. Trop stylé. Donc c'est aussi beaucoup, tu vois, les pirates et tout, quand tu veux faire un événement PVP ou avec beaucoup de joueurs, etc., où on se fout sur la gueule, souvent ce qu'on fait c'est qu'on va désactiver le comaré, comme ça on se fout pas de crime stat sur la gueule. Ah voilà, c'est où je suis là, il y en a une. Il y a des... Si tu veux, il y a des vaisseaux à détruire. T'es où toi? Je suis en train de me faire un objectif là. Ah ok, on va parfait. Il y en a plusieurs en fait. Let's go. Et voilà, on a fini la mission normalement. Et ça, c'est des missions assez simples. En vrai, c'est des missions que je conseille pas mal aux débutants parce que t'as un peu de tout. Pour ceux qui veulent faire du dogfight là, qui veulent s'entraîner un petit peu, découvrir le jeu en mode combat, c'est pas mal parce que ça rapporte quand même pas trop mal et assez facile à faire. Ah, t'es dans la merde, on me dit. Ah ouais? Je sais pas, on me dit il va péter. L'Ivarea, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me casse du coup, je sais pas. T'as l'air chaud la semaine, non? Non, je sais pas. Et l'autre, il tire sur une ça. Tourelle. Ah oui, non, effectivement, t'es en train de tirer sur une des tourelles de la station en fait. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, t'as le nez rouge, effectivement, ouais. Ouais, en fait, là, t'as. Bon, c'est pas grave, ça arrive. T'as confondu l'objectif de mission et une des tourelles de défense de la station. Qui sont assez vénères, soit dit en passant. Du coup, elle a pas aimé. C'est pour ça qu'il y a des missiles qui volent dans tous les sens. Bon bah c'est bon. Nice, GG. Tu veux en faire une autre? Je veux tester de m'atterrir. Tu veux te poser? Ok. Bah viens, on va aller sur la lune. Tu vois la lune devant toi là? Vas-y. On y va. Donc là tu passes en nav mode. Et... Attends, j'ai des missiles au cul, qu'est-ce qui se passe? Comment je passe en nav mode? B. Au secours. Ah oui, il faut laisser enfoncer de ouf. Ok. Ah oui, il faut laisser. Ah bon? Ah, je sais pas, ça dépend des réglages. Nav mode SCN, QTM. QTM. Nav Quantum. Ok. Je me fais. Et là, je Quantum vers la planète. Vers la lune qui est à côté de nous, ouais. Il dit que c'est obstrué là. Attends. Ouais, il me dit obstrué, pourquoi? Ah c'est bon, c'est parti pour moi. T'es parti? Bah il me dit obstrué. Ah bon? Ouais. Ah non, mais t'es où là? Attends, je t'ai vu... Attends, je t'ai vu où là? T'es toujours sur place? Ah oui, t'es toujours sur place. Attends. Essaye de bouger. Reviens vers nous. Peut-être t'as la station entre nous et viser et la station. Attends, je vais viser là-bas. Putain, t'as frôlé la soft death, on me dit. Quoi, soft death? C'est ton vaisseau qui passe en mode épave, quoi. C'est quand t'exploses pas à 100%. Ah, c'est bon là? Je crois que c'est bon. Je te cherche. Ouais, t'es là, je suis à côté de toi. Alors, ouais, t'as pas sauté. Ouais, c'est pas grave, t'as sauté sur une OM, je crois. Quoique, mais t'as sauté où? Je sais pas, j'ai sauté tout droit. Ok. Et maintenant? Attends, je vais essayer. En gros, maintenant, à partir du moment où t'es autour de la lune, tu vois, t'as des points autour, normalement, à la surface. Et ouais. On va essayer de trouver un endroit où on peut réparer. Je te dis ça tout de suite.
Dave Slin, Scrap and Savage, Icebreaker. On est où là? Ah mais c'est Clio ça. OM3. Moi je peux aller à Dead Lynn's Trap. Attends, non, mais c'est Euterp. On est autour de quelle lune là? Ah, on est autour d'Euterp. Pardon, excuse, je croyais qu'on était à. On peut pas réparer Euterp, je crois. Bah, c'est pas grave, hein. Bah, si, vu que t'as des. Je vais te montrer comment ça va. Ah, oui, parce que c'est ton vaisseau, c'est vrai. Ton vaisseau est détruit. On va aller sur Clio. Ah, et puis je vais te montrer les... pour finir la. Ok, Clio, j'ai. Vas-y, je fonce. C'est à côté. Je fonce. Comme ça, il y a l'eau volumétrique, il y a des océans dessus, là. Ça peut être sympa pour finir. Ah, il y a déjà le mage pour l'eau là? Ouais, 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 c'est insane. Il y a pas les. Alors, sur les lunes, il n'y a pas encore les nuages volumétriques, ce qui me désole profondément. Ils les ont pas encore intégrés sur les nouvelles, sur les anciennes. Et là, lunes. Je fais quoi pour aller plus vite Alors là, ce que tu peux faire, c'est que déjà, on va les réparer avant tout. Donc, dès que tu es autour de la lune, il faut que tu trouves. Alors, je vais te dire le nom de l'avant-poste. Avant-poste recherche Rayari. Rayari, Magrat, recherche outpost normalement en anglais, un truc comme ouais, ça. Ouais, j'ai. T'inquiète, hein, si tu peux et le dire peux... en français, je. Ouais, et tu contournes dessus. Et ça, c'est des avant-postes qu'on trouve un peu partout sur les lunes du système, sur lesquelles on peut réparer notamment. Ah, tu m'as quantumé. Ah, je t'ai lancé, ok, ouais. Trop stylé le ça en vrai. Ouais, quand ça marche, ouais, j'avoue. C'est pas tout le temps en plus. Tu vois là à gauche les petites lumières là, ça c'est un circuit de course. C'est trop stylé. C'est un petit circuit de course et il y a des missions de course aussi, etc. Oh là là. Une masterclass. D'ailleurs pour, pour l'anecdote, ce circuit de course a été fait par la communauté et les devs ont repris le circuit fait par la communauté. Ils ont fait tous les bâtiments, ils ont rajouté par tous les bâtiments qui sont autour. En gros c'était un partenariat entre CIG et la commu. Pour créer le tracé de la course et le spot pour la course quoi. Ils ont intégré les gameplay course au jeu. Donc c'est assez cool comme anecdote. Trop stylé. Je vais où là? Je comprends pas. Là où il y a Philippe Sunborn, c'est le petit avant-poste. Donc là j'y vais en mode normal quoi, je rentre dans l'atmosphère et... Ouais alors fais gaffe, c'est vite Sunborn donc va pas trop vite. Quand t'es à 5 bornes, tu peux commencer à lâcher le. Mais je vois pas le sol ou quoi là? Ouais, c'est pour ça, fais attention. Si tu veux, pour t'aider, appuie sur Tab, le scan t'aide à voir le sol. Le putain, sol je suis déjà au niveau du sol. Ah oui, elle a peu d'atmosphère. Ah oui, c'est une lune, elle a pas d'atmosphère. Et c'est une lune, ouais, ouais, y'a pas beaucoup. Ah ouais, parce qu'en fait, genre, je m'attendais à rentrer dans l'atmosphère, du coup, je. Non, y'a pas beaucoup. Ah ouais, bah j'ai failli m'écraser du coup. Ah ouais, c'est pour ça, il faut faire attention. Avec le Tab, normalement, tu vois bien, et puis tu peux te poser sur là où je suis, là devant moi, y'a des pattes. Incroyable. C'est quoi déjà, c'est O pour mes trains d'atterrissage? C'est N. T'es où? T'es là-bas, ouais. Voilà, et devant toi t'as des pads. Et tu peux te poser là, dessus. Je vais me poser ici, là. A toi l'honneur. Attention, oulala, moi, non, ah oui, presque. Ouais. Ah, j'avais pas du tout la proportion, trop drôle. Ouais. J'ai l'impression d'être hyper proche et d'être giga gros, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un coup de main à prendre. Alors fais attention de pas sortir de ton vaisseau pour le coup, vu que t'es à poil. Oui, il y a pas d'atmosphère forcément, ici. Ouais. Et oui. Ouais. En vrai, tu t'en sors bien, ouais. Ouais, pour une première, franchement, c'est propre. Je suis et là, du coup, tu vas dans... GG, bravo. Et du coup là tu vas dans ta mobile glace, atterrissage. Merci Guilipou pour les 15€. Et normalement t'as tes options de réparation. Merci là. Merci infiniment. Tu m'as dit landing, repair, auto, 910, boom, restock, boom, refuel, voilà, boom. Normalement ça va se faire là. Je prends le tout. Ouais voilà. Et là tu seras tout beau tout neuf. Tu te sens observé, ça va? Je sais pas, attends, j'ai... Qu'est-ce qui se passe autour de moi là? Oh, ah, ça va vous? Tout va bien. Ouais. De toute façon, tu détruirais pas ton vaisseau? Non. Ah, devant toi, Philippe est en Scorpius, qui est un vaisseau biplace. Attends, je comprends pas ce qu'il me dit là. Il te dit quoi? Welcome to the Vehicle Maintenance Service App. Repair, restock and refuel all from your cockpit. J'ai plus les, ouais. Les possibilités. Bah c'est qu'il t'a réparé normalement. Ah c'est que c'est bon, j'ai tout fait. Normalement c'est bon, t'es okay. ton... Bah je vais dire ça. Oui t'as... non. Non t'as le nez rouge encore là. Ah merde, attends. Repose-toi.
Recule, Philippe, recule. On fait bugger le pad là. Faut pas qu'on soit posé dessus à plusieurs. Je pensais que comme t'avais déjà lancé, c'était bon, mais. T'es où? T'es parti? Je redescends du coup. Ah oui. Je suis pas au même. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça t'a pas réparé, je crois. Ah non, ok. Bah nickel, c'est propre. Non, je suis réparé si. Alors, moi, je te vois avec le nez rouge encore. Je vérifie, mais. Et retourne dans ton entrée. Quand je retourne dans Landings, j'ai pas de proposition de réparation. Non, est-ce que c'est un bug de mon côté de visu? Je sais pas. Vaisseau... Et sur ton interface à toi, dans le self-statue, dans ton écran, sur ton écran de cockpit, t'as quoi? Tu te vois full bleu ou avec. Ah non, j'ai le nez rouge aussi, ouais. Ouais, t'as pas réparé alors. Il faut qu'on s'écarte plus peut-être, mais à moins que ce soit un... Enfin, c'est pas vrai que ce soit... C'est un peu chiant ça. Tout à l'heure, je voyais hein, les propositions. Si, si, on peut refuel sur les avant-postes. C'est juste que il y a certains... Il y a Shobin Mining sur Daymar qui est buggy, on peut pas. Non mais t'avais l'option tout à l'heure. Ouais. Bon, au pire, c'est pas très grave. Tu vas aller te balader, voir l'eau volumétrique. Je vais essayer de me garer dans une station. Si tu veux retourner dans la station ? Bah écoute, on va se balader, on va trouver... très bien, on va faire ça. On va aller, on va retourner voir l'eau. Comme ça, tu vois un peu comment ça rend l'eau volumétrique. Alors, c'est dommage que tu puisses pas... On va essayer de trouver un truc. Tu puisses un peu kiffer. Il manque d'argent. Non, non, on lui a filé de la thune. J'ai 225 000. Ouais, c'est bon, c'est là. Là, je sors. Là, tu sors de l'atmo, du coup. Tu peux repasser en nav mode si c'est pas le cas. Ouais, je suis en nav mode quantum. Voilà. Et puis, dès que les quantum passent bleu, c'est assez vite sur la lune. C'est le cas, normalement. Ouais. Tu peux te. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que. Comment on va faire? Retrouver un point de saut pas loin. Qui soit bien positionné. Attends, je cherche, je te dis ça. C'est un peu chiant là du coup. On va sauter sur... Il n'y a pas d'avant-poste près de l'eau. Sur la map. Attends, je vais prendre de l'altitude simplement. En fait là l'idéal c'est de choper une OM. Ce qui est un peu chiant c'est que les OM sont pas sur la star map. Les OM c'est des points de navigation? C'est les points de navigation autour, ouais. Donc Oui, il clignote à l'intérieur de mon vaisseau là, il est dans le mal. Parce qu'il est dans le mal. Eh oui. Tu t'es pris des missiles. Quelques-uns. Trois fois rien. Ouais, je pense qu'on était trop près du pad, il faut être à plusieurs kilomètres pour qu'il puisse réparer. Ouais, c'est chiant. Oui, pour éviter le quick repair pendant que t'es en PVP quoi. Non, en vrai c'est un bug. Un bug. Je vise okay. L'OM6. Ah ok, parfait, si tu l'as, vas-y saute. En fait, l'idée c'est que les points d'OM, c'est l'avantage, c'est que une fois que elles sont plus loin de la lune, donc t'as une meilleure visibilité sur l'ensemble des points. C'est juste quand t'es dans une zone un peu trop proche, c'est chiant. Ok. Bon, de toute façon, on va voler au-dessus de l'eau, il n'y a pas besoin que tu sois full. Et du coup, vise l'OM. Depuis l'OM6, vise l'OM. Alors, l'OM 1 ou 2 L'OM 1 2. Attends, je te dis ça tout de suite. Alors l'OM2, vas-y. Oh, c'est l'une ou l'autre, de toute façon. Oula. Voilà. Et ouais, ça m'a l'air good. C'est de l'océan, ça. C'est pas le plus... Ça aurait été mieux l'OM1, en vrai. Vas-y, bah je trouve l'OM1 et go. Quoique, attends. C'est de l'océan, j'arrive pas bien à voir. À gauche. Ou c'est un biome. Ouais, c'est de l'océan, ça, là-bas. Ouais, ok, c'est de l'océan. Vas-y, du coup, là, ce que tu peux faire, tu peux me suivre. Mets-toi, enlève ton limiteur de vitesse, mets-le au max. Tu me vois là? T'es où? Je vois Philippe. T'es où? T'es... Ouais, je suis à 14 bornes, direction un peu. Pas à fond vers le bas, sur votre gauche par rapport à Stanton, par rapport à l'étoile. Attends, je reviens te chercher au pire. Je te vois, c'est bon. Tu me vois, c'est bon? Ok. Vas-y, viens vers moi. On rentre dans l'atmosphère là?
Ouais, dans ma direction, tu vois derrière moi, il y a... Il y a... Non, il y a de la flotte. Let's go. Et on voit la courbe de l'océan. Je sais pas à quelle vitesse tu vas, je te rattrape là. Ouais, je suis en train de monter au max. Ouais, ah, tu vas un peu plus vite que moi normalement avec, ton, avec le vaisseau que t'as. De très peu. Ouais. Oh là là. C'est incroyable. C'est pas. En plus, là, c'est... je te montre ça parce qu'on y est, mais en vrai, si t'as le temps et tout, il y a des paysages de ouf. Tu vas sur Hearthstone, sur Microtech tout à l'heure. Il y a des endroits de ouf, pour notamment l'océan, etc. Sur Hearthstone, l'autre planète, une autre planète du système. C'est magnifique, c'est juste magnifique. On approche des 300 000 balles, incroyable. C'est fou, hein, ça va vite. Ça va très très vite. En quoi, 2 jours? Ouais, en 48 heures la pile. 48 heures pile, 300 000 balles, c'est beau. Ah ouais, c'est lent quand même, hein. Ouais, bah c'est grand, quoi, surtout. Oui. Ah oui, parce que là on est peu autour de la lune d'avant, quoi. Là on est sur une autre lune, ouais. On est sur une... mais c'est une petite lune, hein. Donc elle va pas avoir beaucoup d'atmosphère non plus. C'est la même qu'avant, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris la question. Juste la l'océan, celle-ci. C'est oui. Attends, mais tout à l'heure je me suis posé beaucoup plus vite. Parce qu'on avait Quantum sur un point en fait. Ah. Là on partait du Noem en fait. Donc là on a pas de beaucoup plus loin. Ouais. Et du coup on y va juste en mode YOLO, on va juste voir sur un point au pif, tu vois, là où il y a Philippe, plus ou moins tu peux viser. Et du coup bah tu vois un peu l'immensité du jeu, quoi. Et ça c'est une petite lune, hein. C'est-à-dire que tu fais le même truc. Par exemple, t'as la géante gazeuse de Crusader, elle est énorme. Tu peux aller dedans? Dedans, c'est-à-dire? À l'intérieur de la géante gazeuse? Oui, pas jusqu'au fond au fond, mais tu peux te balader. Bah, y a une ville dedans. Oui, j'imagine bien. Mmh. Et je me rappelle d'une ville qui était à moitié souterraine, mais c'est pas leur ville. Une ville à moitié souterraine. Ah, là tu parles de Levski, c'est vieux ça. Ouais, c'est vieux, un truc bien vieux, ouais. Ça existe toujours, ça. Ouais, ouais. Ils l'ont retiré parce que c'est censé être dans le système Nyx. Oh, il se passe quoi là? Oh non! Oh non! Non. Ah non, te prends pas loin. Attention, on arrive. Hein. Oh non! Reprends l'altitude. Wow. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, mon vaisseau il veut plus fonctionner. Ah? Comment ça? Attends, est-ce que. Ah, parce que je me mets en nav FLT, non? Non, je sais. Attends, pas, mais là il est en train de péter un plomb, mon vaisseau là. Il se prend des jets. Ah, ralentis au pire. Enfin, essaye de t'arrêter. Attends, c'est agréable. Attends, j'aime bien. T'aimes bien? Ça va? Ah, j'aime bien là. Je suis bien là. Je vais essayer de frôler l'eau là. Attends, avant de faire des dingueries. Attends. Parce qu'il faut que tu regardes derrière toi. En fait, il faut que tu vois les autres vaisseaux si tu veux te rendre compte de la dinguerie. Avant de te cracher là. Allez, où l'eau? Attends. Je sais pas trop ce que je fais là. Wouah, je me prends de la léger là. Tu prends des jets? Je sais pas trop ce qui se passe, hein. Ça en passe des choses. Mais c'est la force de l'atmosphère sur tes ailes. Ah oui, mais si tu vas vite en fait, t'as. Bah oui, bah si tu sais que. Quand t'es en atmosphère, bah, même s'il y en a pas beaucoup ici, il y en a quand même. Ce qui veut dire que si tu vas vite, t'as quand même une réactivité, hein, par rapport à la portance. En fait. Donc t'as plus besoin de strafe. Pas autant de la même façon, quoi. Oula, par contre, visuellement, il y a des trucs bizarres là. Oula, Ouais, on dirait de la neige qui va sur l'écran, non, un truc comme ça. Il y a des gros glitchs chelous là, je sais pas si t'es les mêmes. Ouais, j'ai un peu ça. Et vas-y, continue là. Attends, je veux faire le truc de l'effet de l'eau là. Ouais, je te dépasse. Bouge pas, continue tout droit, regarde devant toi. Regarde bien devant toi, j'arrive. Regarde bien devant moi là. Ouais, stylé. Vas-y, c'est le meilleur jeu du monde, ça y est là. C'est bon, let's go. Oh, 300k, bravo tout le monde, félicitations. GG, on les a fait là? Oh, ouais. Incroyable, putain. Ah oui, 300k tout rond, GG, bravo. Non, je veux un Otas. Ah bah là, après, ouais. Ah. Ça, c'est ta fin, ça. J'ai été un peu ambitieux. Ah, la gourmandise. J'ai frôlé.
T'as frôlé l'eau, ouais, l'eau est très meurtrière. Ouais. Attends, un avant-goût. C'était trop gourmand, c'était sûr, évidemment que c'était sûr. C'était sûr, ouais. Bien sûr. Ah, stylé, GG. Putain, c'est oh, tellement va, bien. Ouais, tu kiffes? Ah ouais, je kiffe. Enfin, je te pose la question, mais je crois que je prends ouais, la réponse. Hein. Compris, hein. Ouais. Je vais te rejoindre. Tu Ah, je sais pas, attends, je vais poser la question. Ouais, je sais pas où ça en est côté. Je te rejoins à la station de façon rapide et efficace. Ouais, 300 000 balles, GG. Putain, c'est fou en vrai. Genre. Merci Milou pour le skin, j'ai vu, merci beaucoup. Party member Terada committed homicide against you. Quoi? Ouais, vraiment tu m'as tué. Comme ça je t'ai tué. J'ai pas, j'ai pas accepté la crime stat. Les membres du groupe Le Covfefe a commis homicide contre vous. Mais pas du tout. Le jeu qui apparemment c'est tué. Ah bon? Oh, pas du tout. Oula. Oui. Quelle classe avec ta moustache là. Je suis Hugo Lisoire. Ouais. Avec. Oh le regard. Par contre les yeux il y a un truc qui va pas. Le regard vitreux. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même. Je sais pas ce qu'ils font du coup. Parce qu'il y a Minecraft, c'est ça qui commence normalement le serveur là. Je sais pas à quelle heure. Bah, c'est là. Ça commence, ok. Bon, si tu veux y aller, tu me dis. Ouais, je vais filer, je pense. Ouais. Même si j'aimerais bien continuer, mais j'ai déjà dit oui. T'as déjà dit oui, ouais. Je comprends. Après, si tu veux en refaire, en vrai, sans forcément te mettre à fond dans le jeu souvent, si tu veux, je te mets sur la liste des créateurs. De temps en temps, on fait des events. Ouais, vas-y, grave. Ouais, de temps en temps, tu sais, un soir, participer à un truc ou quoi. Des trucs fun là. Ouais, soon. Bah, c'est cool si t'as kiffé en tout cas. Ouais, pour une première. Merci beaucoup en tout cas pour la découverte. Avec plaisir. Ça te fera des bonnes bases là. Ah, et oui. Puis bon, bah. Soon, de toute façon, les gros patchs qui arrivent bientôt, t'auras d'autres trucs à découvrir. Ouais, enfin, c'est y a clair. Plein de trucs à découvrir encore. C'est juste la surface que t'as vu. Merci Terada. Avec plaisir, du coup. Passe une bonne soirée. Merci toi aussi. Attends, et ton chat aussi. Et des bisous, à plus très vite. Ciao. Trop bien. Trop bien. Bisous YouTube.